Comment tu fais? Parce que je sais pas, on joue avec toi, on joue pas avec Non, toi. bah là, vous allez jouer avec moi. Bon, alors vous allez voir du décalage sur le stream. Le chat, vous participez. Je remets le marqueur, a pas fonctionné. Tac. C'est bon. Donc on est sur la troisième partie de ce stream, entre guillemets, même si on a chill pendant 1 heure là. On est sur un truc navigateur où il y a... Ça va être un écran, une fenêtre, un décor. Ça va être un décor. Il y a dans ce décor, il y a 66 références de jeux vidéo à trouver. Certaines vont être évidentes, d'autres sont beaucoup plus subtiles. Sachant que derrière l'écran de la caméra, il y en aura sûrement 2 ou 3, donc je bougerai la caméra si besoin. Tout simplement, je laisse la musique chill qui est à côté, mais je ne mets pas la musique de l'écran en lui-même parce que la musique est super forte, elle est un petit peu violente, je Puis elle trouve. est Enfin, pas folle en plus. elle est pas folle. Donc voilà, je laisse la musique de chez chillhop.com. C'est de la musique libre, no copyright. Et puis pour passer la nuit, c'est agréable, tout simplement. Ça va être pratique, tu vois. Tu vas mettre l'image. Là, là, il y a Sonic. Là, il y a Voilà, Super Sonic. alors. Le chat, vous participez. Oui, si vous voulez, le chat, tout à fait. J'ai pas de retard. Ok, nickel. Je vais rafraîchir la Moi, j'ai du retard sur le live, mais l'une. j'arrive pas à le Ouais. réduire, donc. Moi non Ouais, plus, parce c'est qu'il pas en met grave. de base, il est vilain. Là, il y a une chaussette. Alors, il va falloir trouver quel jeu comporte une chaussette, parce que là, je l'aurais pas. Il y en a plein. Ah bon? Bah déjà tous les per... Il y aurait Olivier Olivier Mine. Ce jeu est approuvé par Olivier Mine. Nostralix, un jeu rien que pour toi, là maintenant, tout de suite. Donne-moi 3 jeux animés par Olivier Mine. Je les ai là de Bon, il y suite, a 1, 2, 3. hein. Non, Aïe, non. aïe, J'ai bien dit aïe. des Ouais, jeux, hein. ça c'est Pas que Albert qui des va émissions, mais des jeux. pleurer. Il a toujours pas mangé, le saligo. Si, regarde, j'ai ma fourchette. Le fanfrelin. Le fatafouin. J'ai cru voir une assiette passée, elle doit être encore pleine. Bah, Ouais. oui. Mange. On remplira le jeu à ta place. Je sais pas comment on va Et c'est faire. pas du steak soja, pardon, c'est des knackis Est-ce soja. qu'il y a Dante de la série Devil May Cry? Sûrement. S'il faut, il y aura un truc hein, relatif à Dante. Mais moi, je Dans suis animé Fort pour Olivier Mine. Boyard. Bah, Olivier Mine, il anime Monster Fort Boyard en jeu, mais aussi La Moi-même, j'y Cible, suis et animé, mais tout le monde a son mot à dire. qu'est-ce que c'est que ça? C'est la pire phrase du Moi-même, je suis monde, animé pour Olivier hein. C'est la pire phrase. Allez, Là. bonsoir à ceux qui arrivent. Désolé, c'est très mal poli ce que je fais, mais voilà. Ah écoute, ça fait 7 heures que t'es là, il faut que tu manges à un moment donné. Allez, Essaie d'animer d'abord commencez! une équipe. D'accord. L'écran noir. Non Voilà, mais donc ça c'est la figure. fenêtre. Je crois qu'il y a un timer en plus. Là il y a Borderland. Là il y a Crash Bandicoot. Là il y Ah a Doom. bah Il y a Borderland, il est en Cuphead. face là, tu vois. Border. Quoi? Eh bien, je Il y a finis. Cuphead sur la tasse sur le bureau. Ouais. Elle est trop cool cette. Borderlands. Waouh, ça fait 1! Oui, non mais il y a de tout Est-ce là, que il ça faut supprime les vraiment. objets au fur et à mesure? J'imagine Non. que non. Non mais ça te les montre genre coucou. Oh, tu peux avoir du Alors pop-corn. bon, Cuphead, le mug, il est là. D'ailleurs, si vous voulez des jolis mugs en emote, elles sont sur le chat. Cuphead. Y a Minecraft, ouais, Pokémon, y a de Minecraft. tout. Cuphead Y a difficile, tu Mokuba. rigoles ou quoi? Il est en face. Minecraft. J'avoue. Là, il y a Crash Bandicoot, en effet. Le masque, déjà vu. Mais... Crash. T'as une boule de Metroid à côté du tonneau aussi. À Elle est côté un du peu plus tonneau. subtile celle-là, je trouve. Le ballon de basket? Ouais, ça c'est Samus en boule. Ah, d'accord. Je Ouais. sais, tu vois, celle-là, je l'aurais peut-être pas eu. Ah ben, désolé, mais je suis trop fort Ah, au ça, Metroid pour ça, quoi. c'est Splinter Cell, ça. Putain, difficile. Ouais, ça c'est Splinter Splinter Cell. Cell, ouais. Je pense que si tu mets GTA tout court, ça passera au cutraf. Y a pas d'hibou. Y a pas bousigou. Oh, l'Ocarina, quand Ouais, même. je prends pas. L'Ocarina, franchement, si on l'a pas. Non, je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est pas The Legend of Zelda? Attendez, il y a James Un Bond. des. Le revolver, c'est Eh James ben juste Bond. en dessous, t'as Assassin's Ouais. Creed. Ah, C'est pas c'est James plus bas que Bond? ça, on le D'où voit. c'est pas James Ouais, je Bond? vois.
D'où ce revolver, c'est pas James Bond. Attendez, c'est 007. C'est GoldenEye. Le jeu s'appelait GoldenEye. Oh. Ah, ça te parle du score en plus, quoi, tu te trompes. Ouais. Mais ouais, c'est GoldenEye, ouais. Purée, mais James mais Bond, GoldenEye quand même. Îles, ah, bah ça, c'est les Sims. Sims. Il y a Splinter Cell avec les lunettes infra, je sais plus si tu les as mis. Ça y est. Il y en a énormément. Et la banane, c'est. J'ai déjà fait 9 sur 66. Attendez, la banane, c'est. Bah, c'est Mario Kart. J'allais dire un autre jeu, mais en fait, c'est Mario Kart. Ouais, Mario Kart. Ouais, j'ai envie de dire ça aussi. Parce que j'allais dire le My Friend Pedro, je sais pas quoi là. Parce qu'il y a des bananes. Ah oui, ouais, mais elle est pas pleine. Ah oui. Non. C'est obligatoire si tu veux faire partie du classement, Guillaume. C'est Assassin's Creed ça. Assassin's Creed. Assassin's Creed, ouais. Creed. Je vais t'écrire aussi dans le chat que ça sera juste un. Ouais, je vais lire un peu le chat. Je le lis pas, j'essaie de pas trop me spoil, mais elle participait dans le chat à tout ça. Ah, c'était pas Portal ? De quoi ? J'ai pas vu. Ah non, c'est Rocket League. Ah oui, ça, c'est la boule de Rocket League. Et il me reste qu'une vie. Ah ouais. Déjà ? Ouais. Eh ben, va falloir tout refaire. On est la poêle ? Attendez, la poêle, c'est un truc spécifique. En vrai, la poêle, elle va avec la casquette au-dessus, je dirais. Ou alors, c'est autre chose. C'est deux choses différentes. La casquette qui est au-dessus. Je crois que c'est du Left 4 Dead. Je crois que c'est la casquette d'un personnage. Il y a un sticker dessus, c'est bizarre. Je suis vraiment pas sûr. Hein. C'est quoi ? C'est un clou ? Je sais pas. C'est un clou. Je peux pas zoomer plus. On dirait. Overcooked. Ah, c'est pas mal, la poêle, PUBG. Il y a tellement de jeux maintenant qu'on des poêles que ça va être la poêle, ouais. Oh, je l'ai vu. Oh. La poêle, j'avoue, c'est très iconique, PUBG, pour le coup. Oh, je l'ai pas vu, ça, t'es. Player Unknown Battlegrounds. Tu vas l'écrire en entier. Ah, bien joué, je l'avais pas vu. Tu vois, ça, c'est Resident Evil, Umbrella, non ? Oui, Umbrella, c'est Resident Evil. Umbrella, C'est pas le marteau de Thrall ? J'hésite. Non, moi, je pensais avoir de Warcraft, mais je suis pas sûr. Il a été dit dans le chat, c'est Doom Slayer, je crois. Ah ouais ? J'ai un doute, hein. Je connais pas Doom Slayer. Je regarde. Genre, oh là là. Et t'as Gran Turismo ? Ah oui, c'est un Another Monsieur Green qui a été un peu sassy. Il a fait le mec, il a le Doomhammer sous les yeux, il le voit pas. Il y a le porte-clé juste à droite de la banane, c'est Gran Turismo, le logo bleu et rouge. Oui, bien. Bah, t'as Punch-Out aussi sur le tiroir. Si tu vas par là. Mass Effect. Bonjour Draken. Bonjour. Comment on va ? Ça va très bien. Cool. Le petit logo N7 de Mass Effect. D'accord. Bah, confiance. Le logo N7 à droite, ouais, à côté du Grand Assassin's Creed. Tu as normalement la poêle de PUBG. Si j'ai donc il y a plusieurs fois la PUBG. Vraiment, vous pensez que c'est PUBG et pas Left 4 Dead, hein ? C'est sûr. Ah oui, non, mais c'est sûr. On est complètement con, mais le gros carton en dessous, c'est pas chose là. Une Fortress. Solid Snake. Oh. Attends, mais il y a The Orange dessus. Ouais, c'est le problème. Je sais pas si c'est vraiment celui-là ou un autre. J'ai un doute. Les pièces qu'il y a au sol, ça serait pas si optif d'ailleurs avec les têtes Je sais pas, ça me paraît bizarre. C'est une des pièces avec des têtes de mort. Le premier réflexe que j'ai en pensant à ça, c'est les pièces dans Pirates des Caraïbes 1. Call of Duty, la photo et. Une tête de mort là ? Oui, la tête de mort, c'est Call of Duty Ghost. Et à côté, on a le piège biche de... Team Fortress ? Non, le piège biche. Gordon Freeman. Alors là... Ça me dit rien du tout. Le jeu... Ça ah, qui a pas de fin. Half-Life. Ah. Ah oui. Bon. J'avais vraiment pas fait le rapport. T'as l'air super convaincu. Le jeu de Phantom. Allez, je le mets. Le jeu de fantôme, Phantasmophobia. Mais non ! C'était ça, c'était beau. Oh yes ! Bah en fait, vous le voyez pas, mais j'ai un gros carton World of Warcraft à côté. C'était le collector de, je sais plus, 10 ans je crois. Avec la statue de Ragnaros. Et j'ai Thrall en face de moi, sauf que... Son marteau, il le cache avec ses mains.
Du coup, j'avais un doute. Ah ouais. Je dirais Fortnite, le plan avec le crayon. Le plan bleu là au sol. En vrai, c'est pas bête ça. Parce que quand ils construisent, c'est un plan. Ouais, j'avoue, ça pourrait être Fortnite. Ouais, c'est loin d'être bête. En plus, il y a 3 rondins de bois. Ouais. Fortnite ? On part sur Fortnite ? Ouais. Ça se tente. Une grosse licence. Ça prend pas beaucoup de risques en vrai. Bon, après, il y a Mortal Kombat juste au-dessus avec Finish Him. Oui. Mais je suis con. Bah oui. Je l'avais même pas vu quoi. Moi j'avais vu à côté c'est ça. Le punch, mais j'ai plus le nom. Mohamed. C'est non, c'est Mohamed Ali. Oui. C'est Mohamed Ali. Mais c'est le. Il y a un nom spécifique de Punch Out. Ah bah Punch Out. Ouais. Punch Out. Bonsoir. Salut, c'est toi, Imagiro. Hello. Punch Out. Bon après ce coin, je pense qu'on peut l'abandonner pour le moment parce que. Il y a un Peggy 18. J'aime beaucoup, j'ai dans ce coin. Ouais. On en a fait beaucoup. Il y a un sticker Peggy 18. Quel jeu ça peut être ? Il doit bien y avoir du Tomb Raider quelque part, mais pas sans jeu pas. 66, c'est pas genre un GTA ou. 66, c'est GTA, il y a une route 66 sur GTA. Alors dans les photos, il y a de tout là. T'as le nounours de T-Burst, t'as un truc, on dirait PES, je sais pas quoi. Nous avons Zero Dawn. Enfin, ouais, t'as Horizon Zero Dawn en effet. Mais bah, GTA il est là. Mais lequel mais GTA tout court. Crois... Non, ils avaient dit San Andreas, je crois. Hein. Et ils ont raison. Enfin, attendez, ça c'est Silent Hill, celui-là je le reconnais. Il m'a fait peur ce jeu. Oui, le Pyramid Head. Pyramid Head, juste au-dessus du Pyramid Head, tu as. Red Dead Redemption. Nous avons en dessous, t'as League of Legends avec le nounours de T-Burst. C'est vraiment le T-Burst parce que j'avais un doute. J'ai l'impression que c'est lui, oui. Attends. À droite, c'est Gears of War. Ouais, Gears of War, je l'avais. Je l'avais pas encore écrit, mais je l'avais. J'ai vraiment l'impression que c'est le nounours d'Annie. Ouais, c'est ça, t'avais raison. Gear. C'est Gears ou Gear ? Gear. Gear. Alors, moi, comme je suis sur le stream, c'est en décalé. Gears of War. Ah, Gears of War. Ouais. Au pire, il va le reconnaître, je pense. T'as mis Zelda pour The Legend. Oui, t'as raison. Oui, je pense que. Ouais, c'était Gears. Ouais. La grande épée, là, c'est pas du FF ou quelque chose comme ça ? Ben si, c'est Claude. Ah. C'est Claude. Alors, je pense que si tu t'appelles FF7, ça va passer, je pense. J'ai mis FF. C'est la Guitar Hero ou Rock Band Ouais, c'est Guitar Hero avec les 5 boutons comme ça. La boîte, par contre, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. La casquette, c'est Walking Dead. Ah, j'ai hésité avec Left 4 Dead, moi, tu vois. Dans Left 4 Dead 2, t'as un personnage avec la casquette. La casquette, c'est Walking Dead, vous dites. Ouais. Oh là, hey, on se calme. Monsieur Green, il dit ça. La boîte, c'est Splinter Cell. Ou The... Je mets Walking Dead ou... Ouais, je vais mettre Walking Dead. Mais ça a vraiment fonctionné ces jeux Walking Dead ? Ça a fait succès parce que pour avoir une référence. The Walking Dead, oui, c'était des bons jeux Telltale. Oui, le Telltale est très très fort. Bravo, bravo pour le Walking Dead, bien joué. Et le carton, du coup, on confirme. Je sais pas du tout. Splinter Cell ? Non. Moi je pense qu'on peut passer à autre chose comme là sur le bureau. Non, pas Splinter Cell, c'est le carton. Solid Snake. Si j'ai une idée, c'est Solid Snake. Oui, mais c'est pas le jeu, c'est le personnage. Ouais, j'ai oublié le nom du jeu. Metal Gear Solid. Je m'en veux. Ah putain, oui, c'est ça, pardon. Ah ouais, je partirai là-dessus, mais... Il y a le perso bleu, cheveux bleus. Ici, c'est ça. Ok. À quand Let's Play Zombinise ? Ah, va falloir faire un gros don, Australis. Une course de speedrun. Sur le bureau, nous avons... Attendez, j'ai pas mis Sea of Thieves. T'avais pas mis ? Non. Au final... Oui, Sea of Thieves. C'est pas ça. C'était pas ça. C'est pas ça ? C'était pas Sea of Thieves. Bon. Oh merde ! Du coup, faut recommencer ? Ouais. Oh, mais non. Mais non. Hey, on est à 32 sur 66, hein. Et on a fait que le côté droite. Pas fort tout refaire. Allez, bon courage, c'est parti. En fait, tu l'avais pas mis parce que c'était ça. On devrait faire un notepad avec tous ceux qu'on a trouvé. Bon.
On va les retrouver vite. On a fait que le coin droit en bas, quoi. Ah, à quoi ça peut correspondre ces pièces alors? Ah, mais c'est pas le jeu rétro là, pas, Monkey Island. Ouh. Oh. Bah, oh, j'ai vu. Essaye le début. Essaye dès le départ comme ça. T'es... Ouais, essaye le dès le départ. On sait jamais. Non. C'est pas mais ça. Non. Bordel, mais qu'est-ce que c'est que ces pièces? Mais c'est peut-être tout simplement Pirates des Caraïbes. Bon, oh, ça m'étonnerait. Non, je pense pas. Alors... Il faudrait trouver ce que c'est. Est-ce qu'on refait tout le coin en bas ou on partirait sur un autre? Bah, on part sur autre chose et on revient au fur et à mesure. On complète à gauche, t'as du Pokémon. Ouais. Bah, on peut partir complètement à gauche. Ah, je voulais finir les photos. Ah, ah bah sur les photos, t'as. Alors, ça, c'est PES c'est... ou FIFA, c'est un des deux. Hein. C'est FIFA. FIFA. Moi, je dirais que c'est FIFA ou PES. C'est sûr, c'est FIFA. FIFA, bien joué. C'est GTA Vice City au-dessus, non? Ah oui, il y a Vice Point, ouais. Je si je mets GTA tout court. Bah GTA tout court, ça passe. Et après, il y a l'arme laser là, en plein milieu, ça me parle, mais je vois pas ce que c'est. Je crois, je dirais que c'est du Ratchet et Clank, mais je suis vraiment pas sûr. Ah oui, si, ça c'est ça. Ça, ouais. C'est ça, c'est Ratchet et Clank. Ah non, on dit. Je dirais Fallout, c'est Earthworm Jim. Oh oui, 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 oui. Ah, ah bon? On sait pas quelle c'était la map. Éclat Blaster sur Splatoon, mais. Ouais. Non, non, non. C'était pas Earthworm. Donc c'était peut-être Ratchet et Clank. Moi j'ai une troisième solution, c'est. C'est la map de GTA Vice City. C'était pas Ratchet et Clank non plus. Ben moi je te propose Fallout. Fallout l'arme? Comment c'est? Non, mais c'est Sword Jim, non? Non, c'était pas Sword Jim. Ni Sword Jim, ça a été ni. Essaye Fallout. Entendu. Et mais sans déconner, vous foutez de moi, je lis le chat depuis tout à l'heure, je fais est-ce que ça, oh là là. Fallout t'es ailleurs, c'est d'accord. C'est pas gentil. Il est que je suis nul, hein, ça ira plus vite. Ok, tu es nul. Direct. Fallout il est sur le bureau. Sur le et bureau. Alors, on peut mettre deux fois Fallout, non, non. Et non, justement. Non, non, non. T'es pas comme ça. Et ça, sur la... Dans le panneau des photos en bas à gauche, j'ai entendu tout à l'heure Horizon Zero Dawn. Zero Dawn. Oui, je l'ai pas encore fait. C'est la girafe télescope. Moi je l'ai pris, il était gratuit. Ah oui, Fallout, tu le vois. C'est du Angry Birds. Et j'ai fait la même chose, j'ai dit hop. Ah oui, non, mais attends, j'ai vu que c'était. Moi je cherche gratuit, let's go. Il y a Quake là. Quack. Non, c'était pas Quake? Je sais plus si vous l'avez déjà mis. Oui. Attendez, c'est quoi alors? Ça, 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 mais non, c'est God of War. Ah bon? Ah mais complètement, oui. Bah, c'est le symbole... Le Omega là, ouais, c'est God of War. Ah ouais, bah autant pour moi, Omega, excusez-moi. Alors, oh mon dieu, il y a Candy Crush. Oui. Il y a même ouais. Doom sur le PC. J'ai fait une faute. Putain, j'avoue. Il y a Space Invader à côté de. C'est Condu. C'est passé. Condu Cruche. Condu Cruche. C'est Condu Cruche. Au pays de Condu. Sur le. Ah, le pays de Condu. Fallout. Fallout. T'as déjà mis Guitar Hero? Earthworm Jim. Bah, tout à l'heure, oui. Du coup, on l'a. Ok. Faut l'écrire en entier, Earthworm Jim, d'accord. Apparemment. Oh mon dieu, il y a un x2. Red Bull donne des ailes, allez, la sponsor. Quoi? C'est incroyable. Vite, t'as 66 secondes pour avoir les popcorn x2. Ah bah, raison de plus pour écrire tout ce qui existe déjà. Guitar, Hero. GTA, Crash Bandicoot, Minecraft, Red Dead. GoldenEye, les Sims, Splinter Cell, Shrek Kart. Il y a eu un jeu de cartes avec Shrek. Oui, oui. Il y a même eu un jeu de combat. Hein. Ouais, il était trop bien le jeu de combat. Oh mon dieu. Il était super drôle. My Little Pony Fighting is Magic. Le cheat code, ce serait pas Lost? Le code de Lost? Attends. Il y a eu un jeu? Attends. 4, 8, 15, 16, 23, 42. Si, c'est clairement l'autre. Ça va bien. C'est... Oui, 4, 8, 15, 16, 23, 42, c'est les chiffres de Lost, oui. Par contre, j'aimerais que la souris. Oui. J'ai bugué la souris. Ah bon? Ouais. Ah, peut-être que c'est que dans cette zone-là que t'as. Juste à table et reviens dessus. Ah oui. Pas bête ça.
Si, c'est très bête. Mais surtout qu'il y avait un timer pour le bonus popcorn, c'est terrible. Ouais, et non. Franchement. Moi, je suis déçu. Hein. 0/20. Donc, encore une fois, vous voyez à quoi pourrait servir l'argent que vous donnez, c'est améliorer vraiment la qualité de stream. Ah ouais, notamment. Il n'y a plus de bonus, est-ce que tu peux naviguer? Ouais, c'est bon. J'ai dézoomé. Il y a The Witch. Ah, tu voulais Jamie The Witch tout à l'heure. Oh, c'est Dragon Quest, ça. Oui, c'est un gluant. Oh, il y a Dishonored. Je suis sûr qu'il y a Dishonored. Ah, quoi que, attends. Dishonored. Doom sur le PC. Il y a Doom sur l'ordinateur, Doom ancien. Doom dans ton lit. Et la petite canette Red Bull, hein, n'oublions pas. Ouais, mais c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu, malheureusement. Red Bull. Eh, hey, mais y'a Heavy Rain. Hashtag GAD. Tu as. Heavy Rain, l'origami. Crash Bandicoot, Crash Bandicoot avec. Comment t'as dit Heavy Rain. Heavy Rain. Je connais pas du tout. Heavy Rain, ouais. Non. H. Non. H-E-A-V-Y. H-E-A-V-Y. Ouais. H-E-A-V-Y. C'est Heavy Rain. Heavy, genre c'est lourd, c'est la pluie, elle est très lourde, tu vois. C'est pesant, c'est heavy, c'est moi quoi. Voilà, c'est un peu Atlas qui tient la terre sur ses épaules quoi. Nous avons BioShock avec la petite seringue rouge. Je ne dis pas de bêtises. Bio. Attends, doucement parce que là je suis sur le bureau encore. Côté. Allez, on va y arriver, on peut monter. Oh, ce jeu de voiture rétro dans le cadre en haut. Je vois très bien. Ouais, mais j'ai plus. Oh, purée, j'ai plus le nom. Bah, il y a Megaman. On me dit dans le chat parce que c'est Outrun. C'est Another Monsieur Green qui l'a dit. Voilà, faut lui faire un crédit parce qu'après il va râler. Aïe aïe aïe. Mais t'as Megaman hein, à droite, oui, hein, oui, en haut sur les placards. Ouais. Oui. Du coup, elle est visible. Je sens sous la marque. Alors, je sais plus c'est quoi le logo rouge tout à gauche, mais ça me dit quelque chose. C'est pas Watch Dogs ? Oui, c'est ouais, voilà, c'est pas Watch Dogs, je vais dire justement. Pas du tout, j'ai pas joué. Quel est le logo de Dead Sec ? Ok. Du Pokémon. Oui, il y a une grosse Pokéball. Oui, il y a la Pokéball juste avant. Ouais. Le truc. C'est bon, Dragon Quest. Ouais, c'est bon, Dragon Quest. L'écran de gauche avec l'écriture verte et le masque rouge. Ben, on dit sur le chat de la part de Kotraf que c'est Cyberpunk. Ah ouais. Tu l'as mal écrit, non? Ça s'écrit C-Y-B-E-R-B-U-G. Cyberpunk. Cyberbug. Mais c'est pas si celle-là. Cet écran-là, vraiment l'écran de gauche, Cyberpunk. Je sais pas. Oh, j'ai jamais vu quand j'ai joué. Par contre, je viens d'en voir un. Au-dessus de Megaman, il y a une télévision avec un anneau, c'est Sonic. Oui, mon dieu, bah oui. Et apparemment, il est incroyable. Oui, c'est le rock, donc tu pourras mettre Cyberpunk sur le ordinateur. Il reste qu'une vie, Kotraf. T'as mis Crash Bandicoot ? GG. Oui. Je l'ai mis tout à l'heure, je sais pas si je l'ai remis. Non, je l'ai pas mis. Tu te le dis si t'as remis un truc ou pas ? Je préfère utiliser le radar. Ah, d'accord. Le radar, c'est celui que t'as déjà fait, c'est ça qui est chouette. Ok. Il en était sûr. Il est très fort. Il y a le Witcher sur l'étagère. Witcher à gauche, ouais, sur le symbole sorceleur. Le sorceleur, putain, mais. Dans un coin, dans un Witcher. The Twitter, non, le Witcher. The Twitcher. Alors, vous le voyez pas, mais derrière la caméra, il y a un sabre qui me fait penser à Prince of Persia. Et en dessous. En dessous, je sais pas si c'est une grande pince ou si c'est des échasses pneumatiques. Des échasses pneumatiques. Bah, bouge la caméra. Oui, mais avec la caméra, on voit pas tout dire.
Enfin, déjà. Ou alors tu bouges la caméra, ou alors tu zooms, ou alors tu prends un screen et tu le postes. Encore plus chiant, tu sais. Par contre, pour moi, à gauche, le flingue sur l'étagère avec la truc rouge, pour moi, c'est du Dishonored. Hein. Je sais pas. La seringue, là ? Oui, je suis d'accord pour la dague. La dague, ah oui, je suis d'accord. Moi, c'est Dishonored, ça va avec le flingue, c'est ensemble. Ouais, je pensais dire Bioshock, moi. Mais c'est pas ça. Un piolet. Ah, un piolet. Bon. Ah, c'est pas ça, bah bravo. Hein. Bravo, il me bravo. C'était pas ça ? Non. Bah, pardon. Essaye Bioshock. Il a tout cassé, purée. Je dis que de bêtises, c'est terrible. Je suis. Il a tout cassé. Y'a pas des panneaux. Y'a pas des panneaux. Bonne nuit, Australie, qui s'est voilà, ils ont copié. Insère le popcorn. Oui, j'arrive. Bonne nuit, Australie. Au revoir, Australie. Bonne nuit, Nostra. Et on dit que la seringue, c'est plutôt Bioshock. Oui. Ça me parle. J'ai été mauvais. Tu l'as été. Sois meilleur. Ouais. Je peux l'être, forcément. J'ai pas le temps de taper le mot. C'était Bioshock. On sait pas, le jeu a planté. Mais quel suspense insoutenable. C'était Bioshock. Et la musique, on se calme. Je le dis depuis le début en même temps. Alors, la Prince of... Trico Black. Persia. La Prince... Oh, je te crois. Persia. Bien joué. Il y a le gros casque là, on dirait Skyrim, mais est-ce que c'est Skyrim ou est-ce que c'est The Elder Scrolls? Justement, on zoome un peu. Si tu peux. Je fais ce que je peux. On dirait une planète. Moi, j'aurais pensé à Deus Ex, mais. Ah. Avec le logo de la planète UNESCO. Attends, de quoi? Mais non, ça oui, c'est Skyrim, oui, ce que tu dis. Skyrim, mais pas The Elder Scrolls, oui, vraiment non, Skyrim. Oui, non, oui, oui. Non, c'est Skyrim, ça. Oui, le casque, oui, c'est le casque du Dovahkiin. Oui. Okay. Et au-dessus, on a le casque de Master Chief. Mais c'est Halo, dans ce cas. Halo, oui. Halo ouais. Ah, c'est Diego ou Rayou Picasso. La cascade de militaire à droite, c'est quoi? Ça me fait penser à la base, je pensais à Bison, mais... Oh, c'est complètement bison. Hein. Ouais. Bah oui, c'est. Ah oui, c'est complètement bison, oui. Mais c'est du Street Fighter, on est d'accord. Oui. Oui. Aïe. Monsieur Bison. Mais est-ce qu'il est futé? C'est pas. À voir. Hein. Attends, c'est quoi le journal en bas? Le Wishé. En poulet. Oui. Boulain, ça vous dit quelque chose? Boulain. Ouais, je vous montre. Est-ce que c'est encore un mot du journal quand on voit un bout dans Mario ou... Vous voyez le skate? Mais juste au-dessus, il y a un journal. Putain. Il y a écrit Boulain. Boulain. Écrit bulletin, tout simplement. Ouais, il y a écrit bulletin, ouais. Ok, il y a écrit bulletin. Il y a écrit bulletin, autant pour moi. Ah, si c'est bulletin, ça me fait penser à un jeu, mais ça sera pas ça. Prince of Persia, on l'a fait ou pas? Oui, Persia, c'est oui. Bien. Le skate, on l'a fait? Non, bah c'est Tony Hawk. Ah, mais c'est Tony Hawk, je pense que c'est Tony Hawk, ouais. Oui, c'est gros ça par contre. Non, c'est un skate, c'est pas Tony Hawk. Red Bulletin, c'est juste un jeu de mots. Ou alors c'est Bart Simpson. Il y a le médaillon de le Wishé aussi sur la main. Ouais, on l'avait spoté, on l'a pas refait sur sa partie. Moi, ce qui m'intrigue, c'est l'espèce de truc à deux roues là, à côté de la chaise. Je sais pas du tout ce que c'est. Une espèce de maillet là. Ouais. Oh, Rainbow Six, les caméras trucs. Ah oui. C'est pas un marteau? Non. Counter-Strike, Zone B. Je dis encore une bêtise, mais. Ah oui, ouais. Zone B. Oui, c'est écrit en gros en plus. C'était trop gros pour qu'on le voit, quoi. C'est le B. Ouais, je suis d'accord. Imra, on dit que tu as raison. Tu peux répéter ce que t'as dit juste avant? J'ai dit que c'était Rainbow Six, le truc à deux roues là, juste à côté du B. C'est un drone caméra, apparemment. Rainbow. Rainbow comme six. Rainbow et Six, parce que c'est le sixième. Rainbow Six. C'est le sixième arc-en-ciel, c'est incroyable. GG.
Et du coup, cette pince là, ou cette échasse, vous voyez pas ce que c'est? Juste à gauche du marteau là. J'hésite. C'est vraiment une pince? On dirait une scie. C'est un piolet de Tomb Raider par exemple. Moi je disais. C'est ce que disait Mr. Green, que c'était un piolet. Et les lettres qu'il y a dessus, c'est DMM. Oui, non, mais c'est le piolet de Tomb Raider. Vraiment, c'est ça? On est d'accord, je pense, là-dessus. Ouais, c'est un piolet d'escalade. Ouais, je sais pas. Moi, j'étais... Ça me paraît hyper difficile pour une référence Tomb Raider, en fait. Bah, attends, les nouveaux Tomb Raider, le premier Tomb Raider qu'ils ont refait sur PC, la trilogie, il y a ça direct. Hein. D'accord, je sais pas. Je fais confiance. Bah, attends-le, ouais. GG. Bien joué. Voilà, comme ça on a fait sous la cam. Je suis pas remis Pokémon. Ouais, ouais. Si encore il en manque pas une. Ah, mais c'est cool, ça montre. Ok, c'est cool. Est-ce que vous voyez. Alors, à côté de la Pokéball. Ah, vous voyez pas. Alors, attendez, ça me paraît bizarre que vous voyez pas ça. Faut zoomer. Ouais, mais je peux pas puisque ça. Alors, attendez. C'est lequel? C'est celui-là? Ah, ta source, elle coupe le bord peut-être. Ouais, ça coupe le bord. Le fait que l'hydrostat source transformée ajustée à l'écran. C'est ce que j'essaye de faire. Ok. Et non, vous voyez toujours pas. Oh, il y a même un truc ultra bizarre. Wait. Oula. C'est en dédoublé, ouais, il y a en haut et en bas. J'arrive. Ça a rajouté comme une surcouche. Ouais. Non, on dirait. Mais l'image de derrière est plus grande. Enfin, non, elle est décalée en fait. Ouais, elle est décalée. Et je veux agrandir ça. C'est laquelle? C'est ça là? Oui. Ben voilà. Je vois pas grand chose. Adapté à l'écran. Hein. Bah flûte alors. Comme ça c'est mes onglets. Ah bah déjà on y voit peut-être un peu plus. Bah ouais, mais vous voyez toujours pas ce qu'il y a à gauche de la Pokéball. Bah au pire bouge la source hein, quitte à avoir un écran un peu vide. Ah bon bah c'est moche hein, ce qu'il y a derrière, c'est en attente de jeu de game capture, mais c'est pas grave. Ça fera un truc. Putain, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait Trunks. Pas du tout. Ça me fait penser à quelque chose. Oh. Comme un ou une personnage danseur de Perse. C'est pas Octopath Traveler là? Je vais trop penser à un truc de RPG, mais. Ouais, un RPG, ouais, mais alors lequel? Mais le nom. C'est DBZ, c'est pas le dernier cyborg, la femme rose là? Et je sais pas. C'est pour ça que. Ça, je connais pas. Le pantalon m'a beaucoup fait penser à Trunks, c'est vrai. Je crois que c'était pas C23 ou quelque chose comme ça, attends. Alors là, Dragon Ball, oui, c'est un peu le style, là, mais... C'est C23 de Dragon Ball. Donc le personnage, là, c'est Dragon Ball? Oui, apparemment. C'est le dernier android en date dans Dragon Ball Fighter Z. Dragon Ball Z. Bravo, Dragon Ball. C'est Tales of. Je suis pas trop d'accord avec ça. Tu peux remettre ta fenêtre comme il faut, si tu veux. Bon, je peux laisser comme ça. Parce que là, en vrai, vous voyez tout. Ouais, en vrai, c'est pas trop dérangeant. Et pourquoi ça coupe comme ça? C'est bizarre. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est sur le navigateur, et en haut, ce qui est coupé, c'est mes onglets et les favoris. Est-ce que tu peux zoomer là où il y a Megaman et la télé de Sonic, s'il te plaît? Je crois que j'en ai un nouveau. Oh, le Hello là. S'il y a écrit Rachel Amber, je sais ce que c'est. Il y a écrit. Popcorn. Il y a écrit Popcorn. Parce que le truc me fait vraiment penser à. Attends, okay. Je te cherche parce que c'est un jeu que j'ai dans ma bibliothèque. Oh là, attendez, contrôle surprise. Contrôle surprise? Ouais. Ouais, ouais, c'est parce que voilà. Dégaine ton profil pour découvrir des bonus. Ouais, mais j'aimerais bien.
Je sais pas ce que ça va faire. Donc soyez prêts. Comme les hyènes. Attention. Okay. 6 questions en 66 secondes pour tester ta culture gaming. Allez go. Vas-y. Alors comment on a le délai avec le... Pour ça j'attends. Avec le délai c'est chaud mais... Quel FPS très attendu est revenu sur les consoles le 20 mars 2020 ? Apex Legends, Painkiller, Doom, Warface ? Doom. Doom. J'aurais dit Doom aussi. Doom, c'est la même date que Animal Crossing. Quelle série animée a consacré un épisode entier à World of Warcraft ? Futurama, South Park, Les Simpsons, Rick et Morty, bah South Park. Oui, South Park. Quel joueur a obtenu un nouveau modèle de visage sur FIFA 20 après cette plainte du précédent ? Franck Ribéry, Marco Verratti, Marcus Rashford ou Hatem Ben Arfa ? Je dirais Ribéry peut-être. Moi je dirais Ribéry. Je dirais Ribéry aussi, mais je sais pas du tout. C'était ça. Dans Uncharted 4, à quel jeu vidéo Nathan Drake joue-t-il ? Spyro, Crash Bandicoot, Medieval, Ratchet & Clank. Crash Bandicoot. Quel jeu Pokémon contient exactement 251 créatures ? Pokémon bleu, rouge, rubis, saphir, or, argent, go. Or, argent. Non, c'était bleu, rouge. J'ai pas compris pourquoi. Bah ouais. Quelle actrice interprète le personnage d'Ellie dans le jeu The Last of Us. Ellen Page, Mila Kunis, Léa Seydoux, Ellen Page. Non, c'était Ashley Winston et j'ai pas eu le temps de faire la dernière. Ah ouais. Ah bah non, la dernière c'était Plantage. 4 sur 6. Voilà, c'est chaud, hein. On a eu droit à 6 questions en 66 secondes. Et Ellen Page, c'est dans Beyond Two Souls apparemment. D'accord. Ah. Tu caches le chat, faudrait que tu redescendes ta caméra sur le cagnotte si tu peux. On ne le voit plus affiché sur le... Pardon ? Il enlève le cagnotte. Après tout le mal que vous vous êtes donné. Il ouvre le chat. Ah, c'est bon. Voilà. Ouais, 251 bleu et rouge, je suis pas d'accord. Non, bah, je sais pas, j'ai pas compris pourquoi 251. C'est complètement con. Ça doit être une erreur. Oui, parce que. En fait, c'est 151 normalement, ils se sont trompés de chiffre, c'est tout. Ouais, je pense. C'est 151 bleu, rouge et jaune, et argent, or, cristal, c'est 251. Ouais, c'est ça. Bah oui. Bah voyons, vous devriez le savoir, vous avez fait un. Oui, non, mais on le sait, c'est sur Pokémon. C'est juste que la question était. C'est eux qui ont. Ouais, la réponse. Là, ils sont trompés. On devrait avoir un point en plus. Ouais, j'avoue. Donc, c'est. Il devrait nous financer la cagnotte. J'avoue. Avec les intérêts. Surtout qu'en général, quand cette marque de boissons énergisantes sponsoring, ils donnent pas 3 euros. Hein. Ah, t'as débloqué le sticker. Ouais. Ah, bah ça fait un autre quiz. Ça fait un autre quiz. Super. Allez. Oh, on est trop Ford. C'est le quiz KO. C'est le quiz. 6 questions en 66 secondes sur les événements consacrés aux jeux de combat. Ouf, ah, les événements Red Bull. Très bon là, ça va être incroyable. Ouais. Mortal Kombat. Mortal Kombat. Mortal Kombat. Street Fighter. Attention. Street Fighter. Quel joueur est sorti vainqueur des Red Bull Dragon Ball Z FighterZ World ? J'en sais rien moi. Je crois que c'est Sonic Fox, il me semble. Hein. Ça me dit quelque chose. C'est le seul que je connais. Bah non, c'était Go 1. Bon, bah, quel athlète Red Bull a participé aux 5 éditions du Red Bull Kumite ? Sub-Zero. Moi j'aurais dit Gotha au pif. Maverick. Ah ben non, c'était Luffy. Ça, il peut le connaître. Où les matchs des tournois Red Bull Kumite se déroulent-ils ? Dans une arène, dans un monde en VR, sur un ring, dans une cage ? Kumite. Dans une arène, je dirais. Dans une cage. Quel tournoi de versus fighting Jiwina et Majin Obama organisent-ils à la Red Bull Gaming Sphere ? Fighting Tuesday, Friday, Monday, Thursday. Oui, ouais, mardi, pour mardi va ça, on va. Bah c'était Tuesday, j'aurais dû mettre. Quel événement organisé par le joueur français RZA a été retransmis sur la chaîne Twitch de Red Bull France ? La bagarre virtuelle, le Kamehameha Super Turbo, le Galaxian Explosion, bah tati patata, ou Red Bull vous donne des ailes ? Le Galaxian... Moi j'aurais mis le bout de camp possible. Ouais, Galaxian, c'est ça. Quelle émission aurait à 4 Challenger ? J'en sais rien, c'est trop tard, je mets au pif, et c'était la première. C'était difficile, ça. Ah, c'était très, ouais, très trop dur. Hein. Mais après, c'était très axé Red Bull, quoi. Ah, c'était super dur, c'était que de la sponsor là. Ouais. Red Bull, si vous nous entendez, on parle beaucoup de vous là, soyez généreux.
Ah, surtout qu'on en boit beaucoup, hein. Ça, ah oui, on aime ouais, beaucoup ça. Maintenant. Ah, je le recommande. Un goût de bubble gum. J'ai vomi. Bah, tu peux remettre Half-Life avec le chose là. Le pied de biche. Pied de bêche. Oui. Ah oui. Bah, Mario Kart également avec la. C'est fait, Mario Kart. Tout à l'heure. Bonan. On va re-remplir ce que t'as et après je pense qu'on va chercher le reste. Hein, ça, t'as dit que c'était Call of? Call of, ouais, Call of Duty Ghost. World of Warcraft. Ouais, Warcraft pour. Waf waf. D'ailleurs, ça avait pris Warcraft. Alors, ça, c'est Metroid. Ça, vraiment, j'en reviens pas. Je l'aurais vraiment pas trouvé. Hein. C'était oh, la boule morphing. Ouais, ouais. Football, plutôt. Alors là, je me plante pas. C'est 007 Golden Eye. Mais je conteste. James Bond aurait dû être une réponse valable. Non, c'est même Golden Eye 007. Hein, c'est l'inverse. Mais... Ouais. Dans les Sims, c'est juste dessus. Ouais. Le tonneau, est-ce qu'il fait partie d'un jeu? Je pense, vraiment je pense. Il est pas là par hasard, mais alors lequel? Ah, DK! Donkey Kong, mais y'a pas le DK quoi. C'était ça, y'a pas le DK. Mais c'est pas con, ouais, Donkey Kong. Après, y'a 3 vies, hein. Ouais, y'a 3 vies, mais on est si près du but, ça me ferait. C'était ça. Ouais, cool. Let's go. GG. Il n'y a pas 10 000 jeux qui ont des tonneaux dans... C'est ça. C'est clair. Ah, mais il bug une fois sur deux, le machin. Final Fantasy. Alors ça, on a dit Walking Dead. Ouais, la casquette de Walking Dead. Ouais. Et la casquette de la petite fille. La poêle. PUBG. PUBG. Ça, c'est Assassin's Creed. Et Mass Effect. Assassin's Creed. N7. Ouais, Mass Effect. Tu vois, je l'avais déjà oublié, lui. Mass Effect. C'est pas un jeu de tennis, le logo qui est à droite, bleu, blanc et jaune, là. Juste à droite du truc Assassin's Creed. Il y a marqué... Où ça? Il y a marqué Feisar. F-E-I-S-A-R. Moi je pense à un jeu de tennis, mais je sais pas pourquoi ça me vient, honnêtement. C'est le vaccin Pfizer. Oh merde. Mince. Oui, c'est bon. Metal Gear. Oui, voilà. Metal Gear. Solide. Bon, on en est où là-dedans, là, du coup? Le solide équipement de métal. C'est incroyable comme nom. Ah, toutes les photos. Mortal Kombat sur le finishing. FIFA. C'est, ouais, c'est fait. Ouais, c'est fait, ouais. Il y a Rocket League à côté. Ah oui, le petit ballon de foot. League. À côté du Assassin's Creed. Ah, les c'est le ballon de Rocket League. Ouais. Ah oui. On l'a oublié à le refaire. Ouais. Par contre, j'ai peur du maillot de Bastion. J'arrive pas, hein. Celui-là, parce qu'il y avait du... R Lacrosse. Bah, ce serait pas bah, NBA... le jeu de basket là, NBA 2K, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. NBA 2K, ouais. Cherchez le nom. J'ai Down, Jake. C'est hein down. C'est Horizon Zero Down. J'ai écrit down. Quoi? T'as mis un O, c'est un A. Ah, pardon. C'est à l'horizon, il n'y a pas de lever de soleil. C'est à l'horizon, il a le sol. On avait dit que c'était Ratchet & Clank, c'est ça? Non, on a dit que c'était Earthworm Jim. Earthworm Jim, en entier. Oui. Ah, et oui, sinon ça en fait deux. Salut tout le monde, Vincent vient de poster un tweet, c'est Jake avec un livre dans la bouche. Ouais, on est à la bourre. Ouais, un peu. Fallout sur le bureau. Ouais. Puis pour faire Splinter Cell, Guitar Hero. Minecraft, on l'a refait. Minecraft, je sais plus son ami. Candy Crush. Ouais, Candy Crush. Il y a des lunettes
De vision nocturne, je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est Splinter Cell. Ah, ok. Angry Beard. Angry Beard, mémé. Les oiseaux énervés. Ils en restent beaucoup. Hein. God of War, tu avais Charmy. Ah, attendez, parce que là, on en est où là? J'aime tout traduire. Il nous manque Guitar Hero, il est pas mis. 16. Guitar Hero. Ouais, Guitar Hero, tu l'as pas mis. Alors, vous avez dit que c'est God of War, le Omega. Guitar Hero, God of War, Crash Bandicoot. Et Doom sur le PC. Doom. Crash, il est pas été mis? Non. Crash, bon, dis, écoute. T'as pas remis Space Invader aussi. Space. Ah bon? Non. Ouais. Non, tu l'as pas remis. Et Megaman aussi. Ah oui. Et Mega Ombre et Sony, quoi. Megaman. Mega Ombre. Déjà vu. Mais si. C'était dans. Comment ça s'appelle? Guacamelee. T'as une photo de Mario et à côté t'as Megaman, sauf qu'il y a écrit Mega Ombre. C'est incroyable. C'est trop drôle. Dragon Questo. Le petit monstre. Un Pikmin ? Non, non. C'est quoi ? C'est. Pardon ? Non, c'est un. Je pensais insulter. Dragon Quest. Comme dit Kotraf. On a déjà mis Spencer Hunter, non ? Non, il a pas été remis. Bah ouais, mais quand je mets. Il a déjà mis, il me dit oui. Non, c'est parce que t'as mis sur tu t'avais mis Megaman dessus. Il y a bon, Cuphead qu'on a pas remis. Facile. Ouais. Cuphead t'as pas mis. Oh, je sais plus ce que je fais. Eh, on y est presque, ouais. Cela dit. On est pas loin, ouais. Là, il y a la médaille là, c'est quoi? Alors, quelle médaille? C'est vrai qu'il y a une médaille. Il y a des piles. Et la lampe elle est spécifique quand même. Hein. Oui, la lampe, je sais pas ce que c'est. C'est plus un pendule. Ah, apparemment, on te demande si tu es prêt. Ah bon? Il y aura un raid. Cette heure-ci? Ouais. Bon, c'est l'heure où il va pas quitter ça. Non, c'est un raid. Uni TV a lancé. Oh, Uni TV. 21. Merci, Uni. À tous. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue. Bienvenue sur la chaîne. Bienvenue sur une toute petite asso qui s'est décidé de faire un live de 30 heures. On est des malades. Pour lancer un petit crowdfunding, ben, le bot a réagi au bon moment. Soutenez, il va se suivre une petite asso Radio Gaming qui promeut des valeurs de culture et initiatives positives. Participez à notre petite campagne de crowdfunding. Il y a plein de choses à voir. Cliquez sur le lien. Vraiment, allez-y, cliquez sur le lien. Tu disais quoi, Yaki? Je te propose qu'on finisse ça au plus vite. Après, tu peux peut-être faire un point sur... Ouais. Bah, il en reste 9 à trouver, il y a les piles, il y a la lampe, la médaille. Tu peux mettre le radar, s'il te plaît? Oui. On m'avait dit 24 heures. Non, c'est 30 heures. 30 heures. Ouais, tu vois, il y a la médaille, il y a la lampe. Il y a la carte en plein milieu, là. On n'a pas mis NBA 2K sur le... Alors, attends. C'est Pokémon Go? Ouais, sur le fauteuil. Ouais, sur le maillot sur le fauteuil, on n'a pas mis NBA 2K. On n'a pas remis... Attends, NBA, t'as dit combien? 2K. NBA 2K. Juste ça? Oui. Je voulais les gens qui arrivent, on papote juste après. C'était pas ça. C'est pas ça. Bon, tant pis. Tu peux remettre. Comment ça s'appelle On dit Superstar Soccer sur. Superstar. Sur maillot. Soccer. Je connais pas du tout. Même je de nom. Pas non plus. C'était pas ça. C'est pas ça. Oh non. Il reste une vie. Il en manque 9. Remets Cyberpunk. Ah, j'ai pas mis Cyberpunk. Ah ouais, sur l'écran, ouais. Cyber. Oh là là. Et t'as pas remis Doom, non? Si, Doom, c'est fait. C'est Ninounette qui m'a obligé. Ah bah si, c'est Ninounette, alors. Bon, on était sur Stardew Valley un peu plus tôt dans la soirée avec Nino. Alors, sur l'écran, c'est quoi? On finit ça et on papote un petit peu tout ça, Yuna. Tarzan, tu vois, mais... Ouais, ça ressemble à du Tarzan ou... Oh non, attendez, ça c'est Another World. Ah oui, je le sais, Another World. Alors là... Ah, avec l'espèce de portail là. Flashback. Non flashback, c'était Flashback. Non, c'était Flashback. Another World. Ah, ouais, la déception d'un homme. C'est dommage. C'est bon. On fait une petite parenthèse. Alors moi je vais vous laisser là, messieurs, et je vous dis...
Merci Draken d'être passé. À demain. Tu passes quand tu veux et de toute façon, on est là jusqu'à encore 22h. Il reste. Au secours. Eh bien, bon courage et à demain. Ouais. En vrai, ça va pour le moment. Et le chat bourrait les dons. Ouais, bourrait les dons. Alors, on va papoter un petit peu de nouveau le petit discours depuis le début de la soirée. Déjà, merci beaucoup à tous ceux qui viennent d'arriver. C'est très, très gentil. Je sais pas quoi dire de plus, donc ouais, j'ai prévu de finir en carpette. Sous mes pieds, il y a une carpette, hein, c'est le tapis, mais bon. Ouais, oui, flashback, c'était pas Another World, c'est vrai. Oui, du coup, voilà, donc en fait, Eva Sand, c'est pas moi, c'est moi, mon pseudo, c'est Jake, et Eva Sand, c'est une association que je gère avec mes camarades en vocal présentement, enfin, certains de mes camarades, tout le monde n'est pas là. Et on a lancé il y a quelques heures maintenant, à 18h, un peu plus tôt dans la soirée, un crowdfunding. Parce que ce qu'on fait, en gros, donc normalement, quand tout va bien dans l'année, on fait des ateliers socio-professionnels de redynamisation, re-sociabilisation autour des outils de la radio, maîtrise de la voix, reprise de confiance en soi, auprès de publics qui sont vraiment soit désociabilisés, soit en voie de réinsertion pro, etc., etc. Et on utilise ces outils de la radio qui sont très ludiques pour les mettre, pour faire des rencontres artistiques, pour faire des rencontres socio-professionnelles aussi. On leur fait faire des interviews et un peu plus à la fin des ateliers, on leur dit, bah, en fait, les interviews, ce sont rien d'autre que des entretiens, tout simplement. En atelier, on fait aussi des ateliers où on sensibilise autour des licences libres, donc Creative Commons notamment, mais pas seulement. Des ateliers autour du jeu vidéo, parce que le jeu vidéo, c'est pas que le mal, hein, pas du tout. Au contraire, quand c'est bien utilisé, on peut en tirer des compétences à valoriser sur un CV. Y a plein d'exemples qu'on pourrait donner. En parallèle de ça, on a nos propres productions sur de la radio, donc sur notre site internet, sur YouTube et sur Twitch, où on fait des chroniques autour de la bande dessinée, de l'environnement, des initiatives alternatives, nouvelles technologies et du jeu vidéo, bien entendu. Mais ce qu'on fait sur YouTube et sur Twitch, enfin, c'est pas ça qui rapporte de l'argent à l'association, pas du tout, on gagne quasiment rien dessus. Néanmoins, voilà, ça nous fait plaisir de faire ces choses-là et ça nous permet de diffuser nos valeurs au plus grand nombre. Ce qui nous finance normalement en temps normal, ce sont les ateliers. Sauf que depuis un an et demi, je vous l'apprends pas, il y a une crise sanitaire due à la Covid-19 et on a fait très très peu d'ateliers, vraiment ça se compte sur les doigts d'une main. Et le fait d'avoir fait si peu d'ateliers, ça a creusé un trou dans le budget de l'association. Et du coup, là, on a lancé le crowdfunding. Alors, le palier est à 2500 euros. À 2500 euros, on arrive à faire fonctionner l'association jusqu'à la fin de l'année et à vraiment à pouvoir rebondir dès l'automne. C'est l'idée. Si on a moins, c'est pas grave parce qu'on pourra quand même récolter ces sous-là pour combler un petit peu comme on peut. Enfin, c'est l'avantage de cette plateforme. Si on n'atteint pas le palier du crowdfunding, c'est pas grave, on peut gagner les sous quand même. Le minimum qu'on peut du palier là, c'est 2500. Si on en a plus, tant mieux, ça nous permet de commencer à rêver, à upgrade du matériel vidéo, du matériel radio aussi, à vouloir faire des reportages hors région, un peu en France et pourquoi pas en Europe. Et on propose quelques petites contreparties, des stickers du logo, des stickers de toutes nos productions, des dessous de verre, des porte-clés, et rêvons vraiment pour les personnes qui sont hyper généreuses, allez-y, faites-vous plaisir, on va pas vous dire non. On vous invitera à passer une journée avec nous, avec visite des locaux là où on intervient principalement, baptême de trapèze grand volant. Le trapèze grand volant, c'est du trapèze où on se jette en l'air à 15 mètres de hauteur. Un repas au resto de la grainerie là où on intervient, un repas bio local, c'est hyper bon, et un spectacle à voir tant qu'à faire. Faites-vous plaisir, et voilà, là j'ai fait un gros résumé. Je répète ça depuis le début de la soirée. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager l'information, à soutenir l'association, c'est hyper important. Abonnez-vous sur Twitch si vous avez envie, comme ça vous serez notifié des différents streams. Mais en tout cas, là pour le moment, depuis 18h de hier lundi, là, on est en stream jusqu'à minuit de la nuit de mardi à mercredi. Il reste encore 22h, un peu moins de 22h à tenir, mais il va falloir les tenir. Mais le crowdfunding est là pendant 34 jours encore, du coup, jusque fin juin, début juillet. On fera un bilan à la fin. Et il y a tout le mois de juin, on va faire plein de choses sur Twitch, que ce soit du jeu vidéo, mais pas seulement, un petit peu d'activité manuelle. Parce que l'idée, c'est aussi de casser les clichés du gamer. On n'est pas que
enfin, les gamers, c'est pas juste des gens qui jouent aux jeux vidéo toute la journée, c'est pas du tout ça. Les gamers savent s'intéresser au monde qui l'entoure, à la société, ils sont cultivés, ils savent faire des choses, voilà, enfin, c'est plein de choses comme ça. Du coup, voilà, s'il y a des questions, allez-y, posez-les, c'est fait pour. Et si jamais vous voulez papoter avec nous, vous êtes les bienvenus, rejoignez le Discord, etc., etc. J'ai fait le tour, je pense que oui. Ouais. Voilà. Donc merci pour le raid, c'est très très gentil. J'ai fait le tour. Là, normalement, on est censé être à l'étape suivante du stream, c'est-à-dire de lire un bouquin avec vous, mais on a pas mal papoté, en fait, on a traîné un petit peu. Et du coup, on est encore sur les références de vidéos, mais c'est très rigolo, en fait. Il y a des références qu'on n'arrive pas tout à fait à trouver. Donc. Tu stresses beaucoup moins. Non, c'est que la fatigue commence à arriver, c'est pas pareil. C'est la fatigue qui commence à arriver, en fait, et j'ai toujours pas fini mon assiette. Mange, bordel. Oui, je mange. Mais prenez pas. Mes knackis sont froides. Si tu as besoin, remets-le au... Non, non. Bah, en vrai, tu vois, comparé à des knackis normales, donc des knackis à la viande, ça me... Enfin, ces knackis au soja, là, ben en fait, on peut les manger froides sans problème. Oui, mais si t'as envie de manger chaud, vas-y. Non, ça va. On est là, t'inquiète pas. Au pire, j'ai le café. Au pire, je mets le je trempe la knacky dans le café. Dans le café, c'est pas con. Je ferai pas ça. Je ne tremperai pas la knacky dans le café. Allez, pour 5 euros. Non. Alors, allez où ma CB. Vous voyez la knacky là? Ça sera coupé au montage. Vous voyez la knacky là? Il y a le café là. Vous voulez que je mette la knacky dans le café? C'est 5000 balles. Comme ça, moi, je suis tranquille. Dites-vous que j'aurais fini les knacky avant. Je peux manger plein de trucs, moi, pour 5000. Je suis certaine que t'attirerais les vues. Ça va pas, non. Mais j'aime le café, j'aime les knackis au soja, mais mélangé, j'ai un doute. J'ai un doute. Ça va être spécial. Bon, en vrai, si tu continues de manger froid, je vais me chercher de l'eau et je reviens. Vas-y. Ouais, bah du coup, vu qu'il y a ce stream de 30 heures, pour les gens qui arrivent, un peu avant 18h, j'ai un peu grignoté. En parallèle, j'avais prévu de me faire... J'avais coupé un concombre, des petites carottes. Comme ça, ça me fait mon grignotage d'apéro, avec une petite sauce ciboulette. Mais mon vrai repas, que normalement je mange à peu près aux alentours de 20h dans la vie quotidienne, bah là, je suis en décalé. Bon, volontairement, parce que suite à ce gros stream, je me décale volontairement, mais je me recalerai par la suite. Et du coup... J'ai déplacé ma table de salon qui est à côté de moi. J'ai mon second ordinateur. En cas de problème, je peux intervenir sur le chat si le premier se coupe parce que c'est un vieux PC. J'ai du jus de fruits, j'ai 3 litres d'eau, j'ai du café, j'ai des petits gâteaux. Et pour éviter de me lever toutes les 2 minutes à aller me laver les mains, j'ai même mon gel hydroalcoolique. Pouette. Pour vous dire. Donc, je sais plus qui c'est un peu. Gel hydroalcoolique. Non. Ceci est déconseillé. Non, c'est dangereux quand même. Il serait désinfecté de l'intérieur et ça se verrait. Et ça se voit à l'extérieur. C'est le stress des examens. Oh là là, le stress de raconter l'histoire d'Iva Sound. Alors mon dieu, si on doit raconter toute l'histoire d'Iva Sound, par contre, on en a. Ah, t'as pas fini. On en a pour un moment. De 30 heures. Ouais. Non, en vrai, en une heure, ça doit être fait, mais ça remonte à loin. Quoi. Donc, voilà. Ah d'accord, ça donne des noms de meubles suédois dans le chat. Bah écoutez, pourquoi pas. Askersund. On a pas des mots aujourd'hui. Profite leur tourne. Dites quelque chose, je suis mal à l'aise que les gens me regardent manger, c'est qu'il y a du silence. Bah je sais, mais sur le coup, je sais pas trop quoi dire. Si on pouvait prendre entre guillemets le contrôle ouais. À distance, on pourrait faire un truc entre temps. Le désavantage du navigateur, c'est que on peut pas faire de remote play. Sur Steam, par contre. Ouais, sur Steam, tu peux, ouais. Si tu joues un truc et que tu dis, bon, attends, je te file la manette parce que je dois faire un truc, c'est plus... Je vous spoil sur quelque chose. Je sais pas si vous êtes tous au courant dans le vocal. Dans le chat, vous êtes normalement pas au courant. Durant le mois de juin, et un peu étalé sur juillet, il va y avoir un truc exceptionnel.
c'est du code de la route sur le stream. Avec Nino et peut-être Alga. On va faire du code de la route sur le stream, histoire de se remettre un peu à jour. Le code de la route vraiment sur les dernières normes. Et du coup, pendant 3-4 séances avec le logiciel, on va s'entraîner, on va regarder, écouter un peu ce que disent les codes sur le logiciel. Et la dernière séance, on fera vraiment le vrai examen du code. Bon, ça va pas compter pour notre code à nous, on a déjà le permis. Mais pour se dire, voilà, si je devais repasser le code, où est-ce que j'en serais? Moi, je vais pas le refaire parce que, mon dieu. Oh, moi je le ferais. On pourrait finir. C'est incroyable. On pourrait finir de copier la fable. Ah oui, c'est un peu plus tôt dans la soirée. Bah allez-y, racontez la fable du rat des champs et du rat des villes dans le chat, allez-y. Je te passe mon compte Ornicar si tu veux. Non, il y a sur Steam, je l'ai le code de la route. Petite nouvelle, je viens de voir qu'il y a une mise à jour gratuite disponible sur les enfants de la mortadelle. C'est vrai? Ouais. Cool. Ils font plein de nouveaux contenus gratuits, c'est cool. C'est chouette, pour ceux qui connaissent pas les enfants de la mortadelle, c'est Children of Morta. Voilà. Donc bizarrement, moi ça m'a fait rire, j'appelle ça les enfants de la mortadelle. Autrefois, le roi des villes invita le rat des champs. Le roi des villes. Le rat des villes. Écoute, c'est pas moi qui vais lire un livre, donc on n'a pas à me critiquer, d'accord? Alors, si vous voulez, je trempe la knacky dans le café, dépêchez-vous, elle est presque finie. Ah, mais j'avoue. D'une façon fort civile, à des reliefs d'ortolan. Sur le canapé. C'est ça la vraie. Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouve à mi. Je laisse à penser la vie que firent ses deux amis. Sourire, le régal fut fort honnête, rien ne manquait au festin. Mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train de manger du boudin. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Bah, fallait un truc qui rime en un, donc moi j'ai pensé à boudin. Oh là là. Le rat de ville détale, son camarade le suit. Le bruit cesse, on se retire. Ras en campagne aussitôt, et le citadin de dire « Achevons tout notre euro. » C'est dégueulasse. « C'est assez, dit le rustique, demain vous viendrez chez moi. Ce n'est pas que je me pique de tout au festin de roi, mais rien ne vient m'interrompre, je mange tout à loisir. Adieu donc. » Fille du plaisir que la crainte peut corrompre. Fin. J'ai pas tout compris de la fable, je vous avoue. Eh ben, en fait, c'est juste, je sais pas, ces deux rats, ils mangent, ils se passent du boucan, et l'autre, il fait, c'est pas bien, eh ben, tu vas venir chez moi, tu vas voir, on va bien manger. Voilà. Et voilà, incroyable. C'était le moment culture de Jean de La Fontaine, voilà. En quelle année? Oula. J'ai pas l'année de ce truc-là, mais lui, il a vécu de 1621 à 1695. Cela veut dire qu'il n'y a plus de plaisir quand il y a la peur et qu'un festin ne vaut pas ce prix de la peur. Ça rime en plus. Pardon. C'est incroyable, mais quel poète! T'as vu? Contre... Ou poétesse. Pardon. Ouais, plutôt. Napta? VDI Napta? Je dirais poétesse, mais j'en suis pas sûr. Mais après, en même temps, on s'en fout. Peu importe votre genre. Depuis tout à l'heure, elle accorde tous ses adjectifs au féminin, donc j'imagine que Napta est une demoiselle. Ou une personne de sexe féminin, ou comme elle veut le décrire, je m'en fiche. Oui, on s'en fout. Genrez-vous comme vous avez envie, on respectera votre comment vous genrez. Pas tout non plus, parce que si vous genrez en tant que carotte, là, je suis désolé, mais je vais vous dire que c'est un petit peu des bêtises. En tant que carotte. Je connais qu'il y a un nom dans un bol à l'heure actuelle. Avec la sauce ciboulette. Il me reste pas beaucoup de sauce ciboulette. Maison à la sauce ciboulette. Un peu blette, la demoiselle, ou un peu bête? Ouais, c'est la question se pose.
il est tard, parfois les fautes de frappe. Moi, une carotte dans la bouche. Non, 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 là c'est du café, Cotraf. Attends. Pour 15 euros, on ouvre un OnlyFans. C'est non. 15 balles l'OnlyFans, putain, c'est pas. Pardon, purée, c'est pas cher. Ah bah écoute. 15 balles, un moment. Il y a des filles faciles et il y a des enquiquineuses. On va dire ça. Comme allez, ça. On met toutes nos productions radio gaming sur OnlyFans et on fait un OnlyFans, mais qu'avec nos productions en fait. Quelle horreur. Bah non, mais du coup, c'est pour troll. Tu dis aux gens, venez vous abonner, on les aguiche et en fait, ils trouvent pas du tout de Peggy 18, mais que des productions sous licence. Pour eux, c'est un truc d'horreur, de la culture. Ah de la cul. En fait, ils s'arrêtent juste à cul. Hein. Ouais, mais c'est pour ça qu'ils connaissent pas la fin en général. Aïe aïe aïe. Il s'agit de l'adjectif blette. Non, sans déconner, il y a vraiment un adjectif. J'espère que c'est du troll parce que. Non, c'est un vrai adjectif. Non, mais il existe vraiment, tu connaissais pas vraiment. Ah non, je connais. Le terme existe. Je vais chercher parce que sur le coup, ça m'intéresse. Si, si, adjectif. Le terme. Oniflant, c'est génial. Oniflant. C'est trop bien. Réflexion de l'ancien français blesse, issu de l'ancien verbe blessier, qui s'écrit B-L-E-C-I-E-R, qui veut dire blessé. En parlant des fruits dont la chair s'est ramollie sans être encore gâtée, des poires blettes. Oh, en fait, elle dit juste qu'elle est un peu vieille, quoi. Je suis très gentil. Mais non. Ce que j'adore, c'est l'illumination. Oh, j'ai compris, tu sais, t'imagines la BD avec la petite ampoule. C'est bien ça. Non, mais faut pas dire des choses pareilles, Nathan. On est reparti ? Non. Ah. Attends, va vraiment falloir refaire les 58 ? Bah, non, enfin oui, idéalement, mais histoire, on focus les images qu'on n'a pas, on essaye de voir ce qui problème, manque. Le problème, c'est qu'on ne sait plus trop ce qui nous manque. Bon, c'est lesquels qui manquaient, ouais. Ben, il y a un médaillon sur une 8, main. Il y a le médaillon, la lampe, les piles, ça m'intrigue. Je suis sûr de les retrouver. Piles, mais... Montre-moi les piles, parce que je comprends pas. C'est des piles type LR6. De type A. Et le t-shirt, ouais. Et le t-shirt, il a raison. Alors attendez, on était à 58 sur 66, ça veut dire qu'il en manque 8. Arrêtez tout. Oui. Ce n'est pas un t-shirt. C'est un chasuble. Mais c'est un maillot de basket. Bah ouais, mais. Attends. Lakers. L'Arcos, c'est écrit. Ouais, je sais pas qui est. Mais même le casque, on dirait qu'il y a un mot. Le casque a une ref, quelque chose, ouais. Je pense que c'est vraiment une ref de jeu. Je pense, hein. Mais alors laquelle ? Je ne peux pas zoomer plus, mais il y a quelque chose sur le casque, ouais, clairement. Mais même l'espèce de gobelet. Ah, oh, mais attends. Je viens de voir, sous le gobelet, t'avais dit le truc bleu-orange, c'est pas Grand Tourisme. Si, c'est assez grand, mais on l'avait déjà. Tu l'avais pas remis ? Ah, pardon. Enfin, là, du coup, on est à zéro, mais. Là, en fait, en référence, je pense, on a dit 8, hein, il manque l'espèce d'unité centrale, ouais, l'unité centrale, le médaillon, l'espèce de téléphone là-devant, il y a quelque chose dessus, mais j'ai vraiment du mal à voir ce que c'est. Ah ben, attends, mais non, on mais a déjà mis Titanfall, parce que l'unité centrale... Attends, l'unité centrale, tu parles de quoi? Ça. Sous Splinter Cell. Ah, non, je pense pas, non. Il manque, du coup, tac, la lampe, le médaillon, les piles... Et les piles, vraiment, ça me parle. Aussi, ça doit faire partie de quelque chose. Hein. Donc, PES Pro Evolution Soccer, le t-shirt, peut-être. Moi, je pensais pas à du foot. Hein. Evolution Soccer. Moi, je partais sur du basket, mais... PES, quoi. Ouais, c'est ça. C'est PES. Pro Evolution Sorcier. J'espère. Bon, le t-shirt, c'est bien PES. Tu es un footballeur, Harry. Il va attraper le ballon de foot et du bizarre. Donc c'est bon, donc c'est bien PES, donc on va dire, même si voilà, il en manque 7, dont 3 qu'on a sous les yeux mais qu'on voit pas trop ce que c'est. Le cheat code aussi, hein, le 4, 8, 15... Ouais, alors ça c'est Lost, clairement c'est Lost, mais attends, tu vois, je vais taper Lost. Est-ce qu'il y a eu un jeu Lost ? Pour évolution sourcier. Non, il compte, non, alors c'est bien les chiffres de Lost, mais il ne compte pas ça comme Lost. Dites-vous que pendant un temps, je jouais ces codes au loto. J'ai jamais gagné. Bah du coup, t'as perdu de l'argent, littéralement. Bah du coup, oui. On joue à Lost.
C'était vraiment au moment où Lost est sorti, j'étais super fan de la série. Et dès qu'il y avait le code, je le connaissais par cœur. Est-ce que tu peux monter, s'il te plaît, au niveau des étagères? Si oui. On a loupé des trucs tels que le petit Sonic, le petit Mega. Le Hello. Ah, mais attends, c'est My Friend Fredo, ça. Mais je sais pas. Pedro. Et non. Moi, sur ce truc-là, mais. Au final, quand j'ai réfléchi, c'était pas ça. J'étais parti sur Life is Strange. Mais alors, pourquoi? Je ne sais pas du tout. Par rapport à la typographie. Du tout. Ouais, je pense pas que ça soit ça du tout. Ça me paraît bizarre quand même. Parce que c'est pas du tout. C'est pas la même typo en tout cas. Et puis c'est surtout que c'est pas du tout. Enfin, ça te. C'est, tu vois pas du tout la référence quoi. Tu verras encore, je sais pas, le bonnet avec. Attendez. Le bonnet de. J'ai pas encore validé Life is Strange, je vais le tenter. Mais ça serait pas. Un des jeux un peu. Hyper de réflexion. C'est le mec de Stanley Parable. Oh putain, dans ce cas-là, Stanley Parable, j'aurais mis la lampe, moi. Ah, bon, alors, attends, je tente Life is Strange sur l'étiquette. TV nous suit. Merci. Ah, c'était pas ça, c'était je pas Life is Strange. C'est pas ça. Hein. Ouais, c'est vraiment dur. Il y a même pas des indices qui arrivent. Non, t'as aucun indice. Bon. Et dites-vous que ça, alors, je parle à mon nom. Ça a l'air difficile, ça l'est. Mais il y en a d'autres, des comme ça. Il y en a un... C'est que des références ciné, que des films. Il y en a un, ce ne sont que des séries télé. Et il y a un truc où c'est que de l'horreur, alors là j'y mets même pas les pieds. Moi non plus. Et pareil, c'est plein de références comme ça, et c'est hyper dur. Ah, c'est bon, moi. Une culture. Alors par contre, j'arrive plus à zoomer l'étiquette, dis donc. Ah. Cette étiquette là m'intrigue quand même. Hein. Il y a écrit popcorn, pourquoi? Pourquoi il y a écrit popcorn sur le... Il y a écrit popcorn partout. Mais... Ah oui, bah oui. Site, mais... Oui, bien sûr. Mais attends, Hello, étiquette rouge et blanc. Après, cette étiquette, elle se retrouve dans beaucoup de trucs américains. Hein, mais... Oui, bah ouais, c'est ça le truc. C'est aussi le problème. Par contre, tu vois le poster de Outrun? Ouais. À la gauche, il y a un rond bleu. Mmh. Il y a aussi écrit popcorn, mais il m'a fait énormément penser à. Oh non, c'est pas assez connu. Peut-être, vas-y, dis. J'aurais mis DJ Max, mais c'est pas du tout ça, quoi. Comme... C'est pas du tout. Comme un DJ et comme un Max? Ouais. C'est exactement le même. Non, c'est pas ça. Ouais, non, c'est pas ça. Non. On n'a pas mis du portal, on n'a jamais écrit portal, on est d'accord. Non, ça serait bizarre qu'il n'y ait pas de portal quand même. Bah écoute, il y a du Half-Life, mais il n'y a pas de portal. Enfin, j'ai pas vu de choses qui pouvaient s'y rapporter. Parce que là, ouais, donc il manque le médaillon. Là, il y a le truc, route 66. Et là, la grosse caisse, on l'avait dit. Oui, Attends, la caisse ou le carton? La grosse caisse. La cantine? Ouais, l'espèce de. Non, sous la casquette. Ouais, la cantine. Ça là, on l'avait mis ça? Bah le logo là, non. Mais c'est quelque chose, mais quoi, je sais pas. Phaser. Phaser. La solution si jamais. Ah. Ah. Ça peut aider. Il y a 42, mais bon, voilà. Ça c'est fait pas... vraiment truc... En fait, le logo, il fait penser à une crosse de hockey ou un truc comme ça. Moi, en fait, ce jeu serait sorti avant Death Stranding. Il y a eu un don de 50 euros sur ta cagnotte. En effet, ça s'accuse. En effet. Ben, merci beaucoup. Merci pour les 50 euros. C'est très très gentil. Ça avance. Mais c'est con à dire. C'est comme le gobelet, les inscriptions. S'il faut, c'est un jeu vidéo, tu vois. Ouais, le gobelet est bizarre aussi. Hein. Ah, c'est Uni. Merci pour le don Uni. Je viens de voir sur le téléphone. S'il faut, tu sais, la photo, si vous voulez des indices. Hein, oui, bah. Sur le coup, on sait pas trop ce qui nous manque. C'est le problème. Bah, plus trop il manque. Déjà, il y a. Sur... Oh mon dieu, le zoom des zooms. Oh mon dieu, c'est horrible quand ça bug. Il y a l'unité centrale et il y a ce médaillon là.
Ouais, le médaillon, j'ai aucune idée. Je backseat volontiers MDR. Le médaillon, ça doit être un jeu FPS, un peu de guerre, peut-être un truc avec des avions. Je sais c'est pas du Medal of Honor quand même. Bah ben, médaille. Ouh, ouh. Et ça me parle pas, enfin, ça pourrait, mais... Moi je connais pas. Non, c'est pas Medal of Honor. Merci Yoni. C'est comme, en fait... Moi, ce qui m'intéresserait plutôt, Imagiro, c'est savoir ce qu'on a manqué. Par exemple, le casque sur le siège, est-ce qu'il y a vraiment une référence dessus? Est-ce qu'il y a vraiment une référence sur cette. Sur la médaille de... Derrière Fallout, il y a un truc. C'est un jeu très connu et très apprécié. Oh, un jeu Cult of the Wind? Non. Le logo du médaillon est quand même. Mais oui, mais je le connais pas, bordel! Oh là là! Ça doit être attends, un jeu de guerre. J'ai vraiment l'air nul à m'approcher de l'écran comme ça. Bah, je suis pareil, hein, parce que. Je suis pareil, je suis en mode. C'est quoi? Ouais, je comprends pas le logo là. Un jeu connu et hyper apprécié. Est-ce que c'est vraiment un jeu de guerre? Le siège, il y a que PES. Ok. Donc le casque qu'as dessus, on s'en fiche. D'accord, donc ok. Et derrière Fallout, il y a une espèce de cendrier qui est pas un cendrier. Hein. Mais ça me paraît trop proche de Fallout, dans comment c'est... Je pense pas que ce soit quelque chose à côté. Je pense pas non plus. Et puis ce téléphone, quoi. Je vais pas mettre Pokémon Go, il y a déjà la Pokéball Pokémon. Puis c'est surtout pas du tout Pokémon Go, quoi. Non, mais c'est un truc, hein, le téléphone. C'est forcément un truc. Je sais pas. Je suis pas sûr. Je pense que c'est juste là pour aller. Il y a un peu rien, ouais, y a un peu rien qui est visible comme dessus. Le casque audio, enfin. Je sais pas. Parce que je sais pas si vous voyez bien. Dans le téléphone, en bas, il y a un bouton vert. Et un peu plus haut dans le téléphone, il y a quelque chose de rouge. Ça a l'air d'être comme un plan. Guillaume. Oui. La médaille. Oui. C'est pas ça qui est Quake? Non. Oh. Oh. Non, c'est pas ça. Quake, on l'avait pas du tout validé, hein. On l'a jamais, bah, on avait mis en erreur. Tu l'avais mis sur quelque chose, sauf que c'était pas ça. Non, c'est pas Quake. Non, c'est pas Quake. Il y a rien. Okay. J'ai vraiment l'impression que c'est un jeu de guerre, mais. C'est faux, ça. Un jeu très apprécié. T'es un noob. Comme pas The Division ou un truc comme ça. Mais je sais pas du tout. The Division, il y a un logo qui ressemble, je crois. Mais. On dirait une tête de bœuf et avec des cornes. Mais... Pas besoin de cliquer sur un objet particulier. Ah bon? Sérieux? Hein? Genre. Attends, on va tester. En gros, tu cliques. Ah, c'est trop bien. Tu cherches juste les noms, quoi. Si tu balances les noms et ça te dit où c'est? J'ai tapé dans le vide. Hein. Vas-y, mais. Sérieux? Bah, c'est trop nul. Nous, on se forçait à. J'allais cliquer à l'endroit, c'est plus rigolo. On aime la difficulté, nous. Ouais, j'avoue. On se fait vraiment suer pour rien. Et il y a les pièces qu'on a toujours pas trouvées. Ah oui, les pièces, aucune idée. Ces fois, elles sont là, elles sont pas là. Enfin, c'est une grosse phrase, vous pouvez les la retenir. Les pièces tête de mort, honnêtement. Bon, on a tenté Sea of Thieves, on attendait... J'ai peut-être mal écrit Sea of Thieves. Voilà. Non, j'ai regardé, tu l'avais bien écrit. Les pièces, tête de mort, la piraterie. Tu sais, la photo de tête de mort, il y en a une à côté. Sur le dossier. C'est Call of Duty. C'est le tout. Ouais. Call of Duty. Ouais. Ah, ok. Ça se trouve, ouais, c'est juste. J'ai tenté Atlas, mais c'est pas ça. Téléphone, rien. Ah ouais, d'accord. Ah, je suis déçu. Ouais, le téléphone. Je m'attendais à un truc. Le gobelet, j'aimerais qu'il y ait quelque chose, mais je sais pas quoi. Le gobelet, attends. Ouais. Parce que le gobelet, en fait, il a un graphe très, très précis. Eh ben, j'ai une idée, mais je ne pense pas que ça soit ça. On dirait Season After Fall, mais c'est pas assez connu. C'est un indé, hein. Oui, c'est le problème. Là, attendant tout ce qu'on a fait... C'est que des gros... C'est que des triple A. Ouais, c'est que des trucs connus, ouais. Attends, je m'approche du Google. Les symboles me font énormément penser à Season After Fall. Il y a bien écrit Kofi en noir. Et OFF après, bon, je suppose qu'il y a réécrit Kofi en blanc. Imagiro, est-ce que la médaille de la lampe, c'est un jeu de guerre?
Parce que si c'est pas ça, au moins on peut vraiment partir sur une chance. Parce que je vois pas du tout. Attendez, est-ce qu'on a fait... Oui, Counter-Strike, on l'a fait. Ouais. C'est pas un jeu de guerre. Un jeu d'aventure. Merde. Un jeu avec des médailles. Parce que, enfin, c'est pas que le logo qui m'intrigue, c'est aussi le fait que ce soit une médaille. Non, moi c'est vraiment le logo qui m'intrigue. C'est un jeu post-apocalyptique. Un jeu post-apo ? Pas du tout. C'est pas une sorte de clé, le symbole ? Je sais pas si c'est une sorte de clé ou un truc avec des ailes. On dirait un truc ailé plutôt. Un truc avec des ailes, ouais, quelque chose. Un meuf avec des cornes. Il n'y a pas eu de Devil May Cry, on n'a pas mis. Non, il n'y avait pas de Devil... Non, c'est pas ça. Je me suis attends, il y a un symbole à Devil May Cry. Ça me fait pas du tout penser à Bayonetta non plus. Ah non, Bayonetta, j'aurais reconnu. Oui, oui, voilà, c'est pour ça. Quoi. Bayonetta, ta. J'ai quoi en jeu à côté ? Une sorte de clé. Monster Hunter. Non, t'as dit... Non, pas Monster Hunter, c'est... Généralement, le symbole, c'est un ratalo. Oui, voilà, ouais. Genre. Ouais, ouais. Généralement. J'ai envie de dire que l'école, ouais. Mais mince. Après, il y a l'unité centrale. Est-ce que l'unité centrale est une référence ou pas du tout? Je trouve que c'est vachement futuriste. C'est ouais. Cohérent. Oh, putain, mais ça nous une série de jeux, carrément. Ouais. Et c'était pas un jeu de guerre, c'est une série de jeux, et c'est pas un jeu de guerre. Alors attends, une série de jeux, unité centrale, futuriste, un gros câble qui sort comme ça. Attends, l'unité centrale est neutre. Ok, donc y a rien dessus. Ah, y a rien dessus. Oh. Y a rien sur l'unité centrale, un design assez sympa. D'accord. Donc en gros... Est-ce que le gobelet ou est-ce que le gobelet est neutre aussi? Ouais. Ah, qu'on essaie de comprendre, là. Ouais, essayer de repérer ce qu'on a ou pas. Ah, c'est super dur. Surtout que s'il a les... Je sais pas comment il a... Gobelet neutre. Putain. Bon, on va dire que le Route 66 est neutre aussi, parce qu'il y a juste écrit 66 dessus. C'est pas sûr. Bah, c'est en la fait, forme... Je suis pas sûr que le 66 il soit neutre. Je suis pas sûr. Bah, il y a 4 choses sur le tiroir. Il y en a 2, voilà. Il y a Pig Digit et Wakfu. Non, non, ouais. c'est du jeu français. Ça m'étonnerait. Ouais. J'ai envie de tenter Stanley Parable sur la lampe, vraiment ça m'intrigue. Je pense que la 66 est neutre. Est-ce que la lampe est neutre? Si dit qu'elle est pas neutre, tu peux tenter Stanley. Ouais. Oh bien Youni, oui. C'est vrai. Mais je pense pas... Non, mais il a dit que c'était neutre. Ah pardon. Bordel. On n'écoute rien. J'avoue. C'est terrible. C'est pas grave, on a une réponse. J'avoue, on a rien. On perd rien. Donc 66 neutres. Lampe neutre. Oh. Les piles. Quelles les piles? Qu'est-ce que t'appelles les piles? Ben là, à côté de la médaille. Putain, on avait pas. Oui, c'est neutre, mais ça aurait pu. C'est sûr. C'est comme le cheat code s'il faut, il y a une grosse rêve derrière. Ben en fait, clairement, c'est du Lost, ça c'est sûr et certain, il y a pas besoin de vérifier, c'est du Lost. Mais on est sur du jeu vidéo, et ce n'est pas, là de suite, c'est pas une référence à Lost. Alors pourquoi il y a un cheat code spécifique avec les codes de Lost, je ne sais pas. Ce n'est pas du World of Warcraft, parce que World of Warcraft, il y a le marteau de Thrall ici, de Grim ou du Rotar, je ne sais plus, ici. Mais dans World of Warcraft, dans le jeu de World of Warcraft, dans le bassin de Cholazar, on a une référence à Lost avec les chiffres 5, 9, 16, 17, 24, 43. Ils sont dans le bassin de Cholazar écrits quelque part. C'est un easter egg, vous pouvez aller vérifier. Mais là, du coup, pourquoi il y a ça, je sais pas. Ce code-là, on le voit aussi dans une map, j'essaye de me souvenir. Ah. Les piles sont neutres ? Et ouais, phases, oui, bah oui, pour le jeu. Et phases aussi. Ah. Ah mince, les piles sont neutres. Ça peut être un truc à la con, genre Green L, le code de Lost est neutre. Sérieux, c'est... Oh là là. Ah ouais, en gros, on fait des focus. La médaille. Est-ce que tu peux le code est neutre. Héros Nostralix. Non, bah dis donc, Nostralix, ta nuit a été courte. Faut de tout.
Bonsoir. Hein. Bonsoir. Bon, essayons de regarder ailleurs, parce que là, on se concentre que sur la médaille. Le reste, je vois pas... La médaille est trop perturbante, surtout c'est une... La médaille, c'est... Une série de jeux qui est appréciée, bah oui, mais... Pas par Zelda... Non, eh, du coup, c'est pas Zelda. Est-ce qu'on peut nous aiguiller sur la médaille pour nous dire sur quelle plateforme c'est? Je sais pas pourquoi, moi, The Division, il me perturbe, mais j'ai... Alors, on a dit que c'était pas un jeu de guerre, donc une série de deux jeux. Ouais, super. De deux jeux. C'est quoi? Je sais pas. Une série de deux jeux très appréciés. Seulement deux jeux. Ouais. PS3 à 5. Ok, donc ouais. C'est du PlayStation. Qu'est-ce qui est sorti sur PS3? Ouais, il a dû y avoir des rééditions peut-être. C'est quoi le truc concurrent à Ratchet & Clank? The Last of Us, non? Non, non, t'as Ratchet & Clank, Banjo et Kazooie, et t'en avais un autre avec deux personnages, un autre jeu comme ça. Jack and Dexter? Jack and Dexter, ouais. Mais c'est pas ça. De dire The Last of Us, c'est loin d'être con, par contre. The Last of Us? C'est pas, il m'est venu comme ça. The Last... C'est loin d'être of con. Us. Hein. Sur la médaille, on est d'accord. Ouais, ouais, je sais pas. Bravo! C'était ça? C'était ça. Oh, c'était oh, ça. Wow. Hey, c'est bien. Si on refait tout, en vrai, il nous doit nous en manquer 5 ou 6. Est-ce que tu peux monter au niveau des placards? Oui. Ou complètement à gauche? À gauche, je sais pas si on a. Alors, il y a plein de DVD. Il y a. Ah bah attends, vu qu'il a la. Le tryhard là. Ouais. Mais ça, je pense, c'est juste. Ah, si, c'est un bonhomme rouge. Hein. C'est un bonhomme rouge quand même. Hein. Avec une. Truc rouge. Ah, bah attends. Vu qu'il y en a qu'on a. La solution. Au-dessus du Megaman, le sticker rouge, rouge et blanc, ouais. C'est neutre. Qu'est-ce que c'est que ce sticker déjà? Ensuite, hein. La... sous la casquette là de... Ah, de la cantine. Walking Dead, l'espèce de grosse caisse unité, je sais pas ce que c'est là. Alors, ouais. En métal, est-ce que c'est neutre aussi? Enfin, pff. Il y a plein de trucs. Où je... Ça, non, c'est pas... je pense pas que la caisse soit neutre. C'est oh, quand même écrit Phaser. Oui. Je viens d'en avoir une. Oui, vas-y. Monte en haut à gauche. Oui. Oula. Enfin, j'ai une idée, après, je suis pas sûr que ça soit bon. Au-dessus, en haut à gauche, voilà, au-dessus de Watch Dog là. La caméra? Non, pas Watch Dog. Oui, t'as des... ça là. Ouais. Est-ce que c'était pas Five Nights at Freddy's ça? Non, l'écran de contrôle, hein, on est d'accord. Ouais, ça là. Ça me fait penser à Five Nights at Freddy's où tu sélectionnes les caméras pour voir où sont les animatroniques ou je sais pas quoi. Je sais pas du tout. Ouais, je sais pas non plus. Ensuite, dans la boîte à côté, au-dessus. Attends. Five Nights at Freddy's, comment tu l'écris? Freddy's. F-R-E-D-D-Y et apostrophe S. Non. Oh merde, je suis dégoûté. Ensuite, au-dessus de la Pokéball, on dirait que dans la boîte en plastique, t'as un Game & Watch. Genre ah ben oui, complètement. Ah, le truc rectangulaire, là. Ouais. Ah ouais, complètement. Et pour là où j'ai dit Five Nights at Freddy's, on m'a dit apparemment que ce serait peut-être Phasmophobia. Ah, Phasmophobia. C'est pas Game & Watch. C'est pas Game & Watch, bordel. Non, mais clairement, oui, c'était une console, Game & Watch, oui, oui. Ça... Et Phasmophobia, ça m'étonnerait. Je trouve ça trop récent. Et c'est un dé, ouais. Et c'est un dé. Mais Phasmophobia, ouais, c'est quand... parce que ce site-là, il a 2018 ou quelque chose comme ça. Ça fait une heure et demie qu'on est là-dessus. Ouais. Et on bloque. Un peu plus, même, je pense. Il en manque pas beaucoup. Ouais, il nous en manque pas beaucoup, mais. Boîte Game Watch, c'est neutre. Hein, on s'en alors, t'as dit au-dessus de Megaman, le sticker, c'est neutre. Purée.
Au-dessus de mes commandes, c'est neutre aussi, apparemment. Ah, oh, et pourtant, okay. Ce sticker, ça... Après, là, on a une espèce de carte postale avec des indications. Il y a le tryhard. C'est le problème, c'est que je ne sais plus quoi voir. Bah, on va inventer des trucs. Et... Bah, là, la cantine en dessous de la casquette, ouais. Donc la boîte militaire là, avec Faisar. Ouais. Est-ce que ce serait. Le personnage bleu, c'était quoi ? Megaman. Mais c'est Megaman, ouais. Enfin, ça dépend. Si tu parles de. Hop là. Ce qu'il y a en dessous du sticker, c'est Megaman. L'espèce de bulle bleue, là, c'est dans Dragon Quest. Et le personnage bleu ici, à côté du mug, c'est Fallout. Parce qu'il y a autre chose qu'on n'a pas demandé, si c'est un autre ou pas, les pièces. Non, les pièces, ça peut pas être neutre. Les pièces d'or. Non. Là, l'idée, c'est vrai. La cantine avec Faisar. Attends, c'est... J'allais dire F-Zero. Mais... Devant Faisar, c'est impossible à trouver. Ah. Là, sur le coup... Impossible à trouver, ok. Du F-Zero ? On va chercher. Non, c'est pas F-Zero. C'est pas un jeu de sport. Moi, je partais tellement là-dessus dès le départ. Mais... Faisar. C'est un jeu de sport d'une certaine manière. Oh. C'est Windjammer ? Non, Windjammer, ce serait un frisbee. J'imagine. Attends, un jeu de sport d'une certaine manière. D'une certaine manière. Qu'est-ce qui pourrait être un jeu de sport mais qui ne l'est pas totalement ? Un jeu de course ? Ouais, un jeu de course. Jeu de bagnole, mais un jeu de course, on a déjà Gran Turismo. Du coup, un Colin McRae Rally, un truc du genre. Non, c'est pas le loco là, Colin McRae. Ouais, ouais. Un truc moderne, futuriste. Ouais, ça fait très futuriste, je trouve. Ouais. C'est ou là, un truc de bataille spatiale, tu sais. Ouais, c'est... Attends, c'est pas normal. Donc, un truc plutôt ouais, futuriste, sci-fi, dystopique. Qu'est-ce que ça peut être ? Mass Effect ? Ouais, le N7, c'est Mass Effect, juste en dessous, ouais. Le N7, c'est Mass Effect. Le temps que ça réfléchit... Le temps que ça réfléchit, je continue la complétion. Tu commences à compléter ? Ouais. La musique qui s'active toute seule, c'est horrible. Et quoi comme jeu comme ça? Si faut, je connais même j'ai pas. J'ai plus le logo de. Ah, attends. Il est où mon Google là? Allô Google. Loco. Je pense pas que ce soit ça. Non, pas du tout. Dans 6 minutes, il y a une bonne musique. Ah, la musique de 3h du matin sur Animal Crossing. Ah, parce que oui, parce que l'image aurait été sur. Elle est trop bien. Aïe, aïe, aïe. Bon alors ce Faisar là. Zelda. Bon, on a dit que c'était un. Me compte pas ça comme foi. Bon ça va. Zelsa. Ouais. The Legend of Zelsa. Je rappelle que j'ai toujours pas changé mon clavier. J'ai pour Swarm Gym, hein, mais bon c'est pas grave. Ouais, exactement. Alors, c'est un jeu de sport, on a dit, dans son genre, ce n'est pas dans le monde réel, et c'est impossible à trouver. Vous voulez la première lettre ? Ah, j'avais pas vu ça ! Ça se trouve, on ne connaît même pas le nom, hein.
Portal. Ah, donc il y a bien un truc à Portal. Putain, mais il est où le truc de Portal? Je vois ni le Portal Gun. Ben non, c'est ça le truc. Ça m'étonnait vraiment qu'il y avait rien sur Portal, quoi. Je vois même pas sa combi, je vois pas son pantalon. Ah, parce qu'il n'y est pas. Bien. Mais. Parce qu'il n'y est pas. Mais putain, mais qui est con. Vous êtes trouvé par punaise le troll. Après, moi, si vous voulez, le chat, hein, moi, je sais où il habite. Hein. Mais quel enfoiré. C'est vilain. Oui, je suis d'accord. Terrible. Nous sommes trahis. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est quoi la première lettre du Pfizer, là? Ouais. Alors... W. Bah Windjammer. Non, Windjammer, je t'ai dit que c'était le... Le frisbee. Mais ça m'étonnerait que Pfizer... Hein, soit... Après, ça colle, hein, c'est un jeu... Mais c'est pas dans le monde... Non, non, mais non, ça, la caisse correspond pas à Windjammer, c'est clair, clairement pas. Déjà, ça correspond pas, et puis... Bah... Monsieur Green, il nous a dit que c'était pas dans le monde réel. Ouais. Sur le coup, qu'est-ce que je dis ? C'est tellement dur. Un jeu sport. Warhammer. Je pense pas, non. Oh, attends, peut-être. Non, je pense que c'est. Non, mais pas la caisse, mais peut-être Warhammer. Autre chose. Peut-être dans les caisses là. Je sais plus. Pfizer, c'est pas un vaccin. Si, si, c'est l'injection. C'est l'injection que j'ai eue lundi dernier. Warhammer, c'est un des figouzes à la base. C'est une de figouzes. Un jeu de figurines, je pense. Ouais. Ah, oui, jeu de figurines, oui, on est d'accord. Ça va pas être là-dedans. Après, c'est quand même un gros truc. Hein. Ouais. C'est super dur, hein. Est-ce qu'on a mis un Zelda à un moment donné parce Oui, que oui, pareil, il y a. Si, si, l'Ocarina sur la droite. Ah oui, c'est vrai. J'ai envie de taper sur internet Phaser W, je suis sûr que je vais trouver. Ouais, mais c'est moins marrant, quoi. Pute, ouais. Mais est-ce qu'on connaît ce jeu, c'est le problème. Alors, bah, Warhammer, c'est un jeu de figure, oui, mais il y a plein de jeux vidéo dans l'univers. En fait, l'univers Warhammer, ça s'étend même à des bouquins, ça s'étend à beaucoup, beaucoup de choses. 66 secondes pour doubler les points, attention, la moindre erreur m'a fait un bonus. Sauf que je sais plus où est-ce que j'en suis en fait. Ah vas-y, tu le connais tous de toute façon. Tu connais les 60 premiers. T'as mis les Sims, t'as mis... Oui. J'en peux plus. T'as mis Red Dead Redemption. Ah attends, on a le nombre de lettres. W, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 7 lettres. 7 lettres? Ouais. Un W. Oui, c'est un jeu de rôle papier aussi, je sais pas. Worms. Worms, c'est vrai qu'il pourrait y avoir Worms, mais il y a... Alors là, par contre, les rêves... Mais il n'y a plus assez de lettres. Ouais. Worms 3D. Ouais. Worms 3D. Un jeu de sport. Voilà, c'est pas dans notre monde. Qui commence par W et qu'on ne connaît pas. C'est beau, ça. Ça en fait pas mal. Un jeu de sport W. En attendant qu'on réfléchisse là-dessus, est-ce que il y a un objet ou je ne sais quoi que l'on n'a pas vu? Sans dire, c'est pas trop du sport, ouais. Bon. Sans nous dire forcément, enfin, genre tu vas pas dire, hey, t'as vu le casque de Skyrim? Oui, bon, merci. Genre, je sais pas, pour localiser un peu où notre œil doit se porter, parce que j'en ai aucune. On va avoir un quiz qui arrive. Oh, on fera les quiz. Ouais. L'oiseau sur le crayon. Oui, bah, bon, c'est un Angry Birds. Bonsoir, Nick Animals. Non, on l'a vu. Angry Birds. T'as remis Heavy Rain? Non. Alors, Heavy comme le métal et Rain comme la pluie. Heavy voilà. Comme moi et Rain, oui, comme la pluie. Homme au sol plus jungle. Oui, attendez, c'était flashback, on avait dit. Il l'avait dit, oui.
c'était Flashback. Ça, ça m'embête de m'être trompé tout à l'heure, d'avoir confondu Flashback avec Another World quand même. Et t'as les deux sont très bien. Outrun aussi ? Non, Outrun, j'ai pas remis. T'as mis Sonic ? Oui, je vérifie, mais normalement Sonic, j'ai mis, oui. Ok. T'as mis Donkey Kong ? Non, pas DK. Donkey Kong. Donc ça, ouais, le... l'homme au sol et la jungle, on l'a. Excusez-moi, je veux le radar. Le radar, bonjour, merci. Oui, ça sera plus rapide. Le drone hein, au pied de la chaise, j'ai oublié ce que c'était moi. J'ai pas remis Megaman, j'ai pas remis Sonic. Ok, merci. Sonic. On a... T'as pas mis The Walking Dead. Megaman. Ouais. On va y arriver. Megaman, on va y arriver. Le pendentif avait la tête de Louis, c'est le Wishé. Allez, le contrôle surprise. Tac, Rainbow. Attends, Rainbow Six, hein, vous m'avez dit. Rainbow et Six, oui. Rainbow. La casquette avec le D, oui. En, oui, The Walking Dead, ouais. The Walking Dead. Après, on va voir combien il y a King de manquer, à force de Dead. Ensuite, tu peux mettre le Wishing. Tu peux mettre Bioshock. Non, si c'était Bioshock, la seringue rouge, j'ai oublié. Oui, Bioshock, ouais. Petit à petit, Wishé, on y arrive. Le Bioshock. Bio. Tony Hawk, je sais pas si tu l'as. Tony Hawk, c'est bon. Ok. Bah, après, au pire, remets le. Ouais, le petit radar. Le radar. Dragon Ball. Qui... Ah, Dragon oui, Ball, Dragon Skyrim. Ball. Ouais. Skyrim. Pour l'instant, il y a ça. Je vois pas sur la cam, t'as refait Tomb Raider avec le piolet. Je sais pas. Je suis pas sûr. Ouais, je l'ai pas revu écrire. Allez, les stickers. Imagiro, les pièces ouais. D'or. Est-ce que c'est un jeu ou est-ce que c'est neutre ? Ça se trouve, ça va avec Call of. Hein. T'as mis Street Fighter avec Monsieur Bison ? Normalement, oui. Je vérifie. J'ai pas revu. J'ai pas revu, désolé. Oui. Oui, oui. Attends, j'en garde le truc. Bah, t'as pas remis Doom ? J'ai pas remis Doom. T'as pas remis Guitar Hero. Et Crash Bandicoot. T'as pas remis Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. Le signe rouge sur l'écran à gauche W. Ah oui. Ah oui, Watch Dogs. Watch Dog. Watch. Watch. T'as Dogs. Remis Cyberpunk. Cyberpunk, Guitar Hero, je le note. Guitar Hero, on y arrive. Crash Bandicoot. Cyberpunk. Cyberbug. Crash Bandicoot. Allez. Ah, les pièces d'or, c'est bien un jeu. Ah ouais, c'est ça. Purée. Ouais, les pièces d'or, c'est bien un jeu. Ah, Space Invaders, je l'ai oublié. Ouais, Space Invaders, Minecraft. Oui. J'ai pas mis Minecraft ? Non. Oh, tu l'as mis sur une partie où on s'est planté très vite. Allez, nouveau quiz. Ouais, enfin, les quiz après. On en a plein. Moi, oui, j'ai pas remis Minecraft. Mais du tout. Qu'est-ce qui se passe ? T'as pas remis Red Dead Redemption aussi ? Ah oui, Red Dead, ouais. Allez, il nous en manque pas beaucoup. Là. Le jeu en W, il nous manque. Doom. Ouais, Doom. Red Dead Redemption. Red Dead, ouais. Rocket League aussi. Red Dead. Ah, on l'a re-oublié. Assassin's Creed. Oui. Il y a des chances, oui, qu'ils sont oubliés de nouveau. Allez. C'est pas U, quête. Les pièces d'or. U, U. Juste U. Ça m'étonnerait qu'il y a juste un U. Hein. U. On parle pas, ça. Solid Snake, là. Il remanque... oui. Metal. Metal Gear Solid. Gear Solid. L'équipement de métal. Très solide. Allez, plus que 6. Est-ce que t'as remis Vas-y, remets le... Enfin, avec le... Faut tout dire le nom du jeu. Bah, si t'en as trouvé un que nous, on n'a pas, ouais, vas-y. T'as pas remis Final Fantasy, si ? Ah si, il y avait mon icône. J'ai pas remis Tomb Raider ? Non. Non, il avait raison. Abraham Lincoln. Allez, plus que 5. Je voulais pas spoil si jamais j'avais pas le droit. Si, là, attends. Tu peux, il y a des trucs qu'on a vraiment pas et...
Ça oui, à partir de là, donner. On peut. Ah, bah c'est Uncharted, putain, mais quel débile! De quoi? Lequel? Les pièces d'or, c'est Uncharted. Ah, mais oui, Uncharted. Ouais, effectivement. Bon, bravo! Plus que 4. Merci, Another Mr. Green. Bisous, Another Mr. Green. Tout à l'heure, du coup. Bon, il nous en manque 3, parce que je compte pas le truc nul de W, là. Qu'on connaît pas, là. Ouais. Le W. Il nous en manque 3. Est-ce que tu peux remettre le... Oui. Le radar, que je vois si on en a oublié un ou pas. Quand, en sachant que ça bug un peu. Hein, mais... Ouais, j'attends un peu. La pièce, je l'ai pas remis la pièce au milieu, là. Ah oui, c'était... Merde, j'ai oublié. J'ai dû oublier. C'est... C'est The Last of Us. The Last of Us. Ah oui, c'est ça. Je dois reconnecter mes neurones, là, attention. Plus que 3, dont la caisse. Dont la caisse chiante, ouais. Bah, les caméras à gauche. Les caméras à gauche, j'hésite que ça soit quelque chose. C'est vraiment c'est vieux. Parce que le casque audio, il a dit que la chaise, c'était neutre, le reste. Qu'est-ce qui nous manque? Je sais pas. Je vois pas ce qui nous manque qui est super évident quoi. T'as remis Fortnite? J'ai pas, je vois pas en bas. Je vais dire ça au sol non? Ouais. Ah. Ouais, on a pas remis Fortnite. Fortnite. Il nous en manque plus que 2, donc bah, les caméras et la caisse quoi. Le W, ouais, je pense que c'est la caméra et la caisse de merde. Allez, go spoil. Ouais. On accepte. Pour la caisse, ouais, je veux bien la solution parce que je sais pas. Non, j'allais dire Hitman, mais en fait, non. Ah non, parce que je non. pense qu'il l'aurait mis sur un code barre. Ouais, fait. Ouais, ouais. C'est pas con ça après de trouver un code barre, mais j'en ai pas vu. Non, 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 mais bon. les caméras, l'écran de caméra, c'est forcément. Vous avez remis, oui, WWE. Mais oui, Wipeout. C'est quoi? Oh là là. Attention. C'est quoi Wipeout? Je connais pas. Et du coup, il en manque un seul. Ouais, il en manque un. Et c'est cette caméra là. Je suppose très fortement que c'est. Je pense aussi que c'est la caméra. C'est pas là pour rien. Hein. Je pense que ça vient vraiment d'un jeu. Une caméra de surveillance comme ça. Ouais. Mais lequel? S'il faut, pas du tout. S'il faut, c'est neutre. Hein, mais... Non. C'est... Non, non, non. C'est pas neutre. Vu comment sont les écrans et les graphismes dans l'écran par rapport au reste. Ouais. Je suis d'accord. Hein, mais... Caméra, c'est neutre. Non, sérieux? Ah, je suis deg. Ça veut dire qu'on l'a pas c'est du tout. Ouf, hein. Ah, c'est vraiment... Et le tryhard alors? Le personnage rouge? Non, je pense pas que ce soit là. C'est un personnage en armure spatiale rouge quand même. Hein. Ouais, mais j'en ai pas, moi, des personnages à armure spatiale rouge. Ça me parle pas, ouais. À part Megaman quand il met un truc rouge. Tryhard, c'est neutre. Tryhard, ah, neutre. Bordel. Alors attendez, je remets le Power Ranger. Oh mon dieu, c'est bon, je l'ai. J'ai le dernier. Attends, dis-nous ce que c'est. L'objet. C'est juste qu'on l'a oublié. Ah merde. Non. Ah, Grand Turismo, mais oui. Oh, mais punaise. On est con. 66, c'est fini. C'est le premier que j'ai dit, je suis dingue. Oh, bien joué. C'est fini. GG. Ah, le masque sur le mur, c'était quoi? C'était Crash Bandicoot. Ouais. Mais du coup, je voulais les quiz. Ah bah oui, pareil. Bon, on peut pas refaire les quiz, du coup. Ah, c'est dommage. Ah, j'adore le gif. 3 heures. Incroyable. J'aimerais t'accompagner, mais malheureusement, dormir, il paraît que c'est bien aussi. Ouais. Oh la vache, quel enfer. C'était chaud, hein, punaise. Le Wipeout, j'aurais jamais retrouvé. Ah, je connais même pas le jeu, je sais même pas ce que c'est. Faudrait que je regarde ce que c'est. Après, tout le reste, ouais, le The Last of Us, j'ai complètement oublié le symbole. Après, le reste, bon, ça... À part le jeu de foot, j'ai beaucoup hésité là. J'étais plus parti sur du basket.
Je crois que... Ouais, moi pareil, le maillot à manches coupées comme ça là, hein. Pas vraiment mode. De... Tellement de GG. Ils sont géniaux. C'est incroyable. De toutes les chaînes. C'est beau. Oh, je reconnais certains emotes. Ouais, trop bien. La jaune couscous.